Bonjour, bonjour. Ok, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez super bien. Donc je vais. Bonjour Yolande. Dondel, bonjour. Fallon, bonjour. Franchin, bonjour. Pélagie, bonjour. À tous ceux qui viennent d'arriver, bonjour. S'il vous plaît, passez prendre mon trépied. J'ai un petit trépied rose sur la table au bureau. Passez prendre ça, vous m'apportez. Et vous parlez avec Sidiki pour la livraison. Ouais, vous ne trouvez pas, vous rentrez. Bonjour Dorcas, bonjour. Sophie! Sophie! Viens un peu. Oui. Je peux donner-moi ça, parce qu'on savait ça. Merci.
Bonjour Thamson, ma localisation géographique ne vous concerne pas. Vous allez suivre. Non? Je ne pense pas qu'à midi, vous m'envoyez la nourriture. Quand vous demandez si je suis à Abidjan, je n'ai pas encore vu à midi, vous m'avez appelé. Oh, tu es là, je vais t'envoyer un ticket. Ok, donc je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je vais enseigner, que ce que je vais vous dire ici, que ça stimule votre esprit, que ça vous donne la direction. Je viens contre les interruptions, les distractions. Et je demande aussi que vous ayez l'entendement, la clarté dans votre esprit. Si on a essayé de vous dérouter dans le passé, que vous receviez la direction. Si on a essayé de vous décourager, que votre courage renaisse. Que le Seigneur se pointe dans votre situation et que tout ce que vous avez demandé vous soit accordé. Voilà. Pendant que je parle, que votre esprit reçoive la lumière. Pendant que je parle, que votre esprit reçoive la clarté. Qu'il en soit ainsi. Je dois m'assurer que ma ménagère ferme la porte. Sinon, j'aurai trop de bruit, trop d'écho. Pourquoi est-ce que le leadership est important dans votre vie? Parce que vous avez grandi dans une société où tout le monde vous dit ce que vous devez faire. Vous vous pointez sur les réseaux sociaux, 99% de ce que vous regardez est conçu, est promu, est mis devant vous pour vous faire rire, pour vous faire avoir un esprit relâché, loose, to have a loose spirit. J'espère que vous comprenez ce que Louze veut dire. Un esprit qui n'est pas concentré, un esprit qui n'est pas ferme, un esprit qui n'est pas déterminé. Et c'est ça le but. Ainsi. Charbon que tu as fait l'autre jour là, tu peux me donner encore, non? J'ai ma petite poche à charbon au sol à l'entrée. Prends ça avec trois charbons, tu viens me donner. Je dois allumer. Il y a la petite assiette qui était là-bas hier au sol. Si vous êtes négligent, vous allez passer à travers la vie. Vous allez traverser la vie. Et étant donné qu'on connaît que tout ce qu'on obtient, c'est ce qu'on a demandé ou qu'on a vu. Si vous ne le saviez pas, tout ce que vous avez dans votre vie, c'est ce que vous avez demandé et vous le charbon. Il y a charbon, vous voulez le... Non, ça c'est pour mettre dans un kit. Je veux les autres que tu as utilisés hier. Ce que tu viens de faire. Attendez, je vais mettre de l'encens. J'ai besoin d'encens ici. Je vais allumer.
Merci, c'est gentil. On va laisser brûler pendant quelques minutes. Si vous cherchez encore à plaire aux gens, après que vous ayez commencé à me suivre, je crois que vous n'êtes pas encore décidé. Bonjour TikTok. Si votre but c'est encore de plaire aux gens, parce que tout a été designé que vous soyez des serviteurs. Tout a été conçu pour que vous n'ayez pas d'objectif. Et un leader, c'est quelqu'un que tu ne cherches pas à ce que les gens te suivent. Suivez-moi, en fait, que non. Tu dois d'abord savoir ta propre vision. C'est-à-dire, où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Les gens servent une vision. Les gens suivent une vision. Les gens, people follow a purpose. On ne se met pas seulement comme ça. C'est comme quand vous vous abonnez sur une page. Tu t'abonnes parce que telle personne te fait rire. Tu t'abonnes parce que telle personne t'éduque. Tu t'abonnes parce que telle personne te... tout ce que vous faites dans votre vie doit être calibré dans le sens positif. I am based in Douala. Je suis à Douala, Abidjan, Libreville. Malheureusement, beaucoup d'entre vous avaient été incompris. Beaucoup. Tu as fait deux mariages où tu voyais la chute de ton mari. Tu essayais de le conseiller, il ne comprenait pas. Tu lui dis, suivons ça. La vision se développe après que tu aies demandé. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais demandé. Merci, Clara. Ils n'ont jamais demandé que je suis là pourquoi. Et croyez-moi, Dieu ne répond pas après que tu aies propre demandé la première fois. C'est comme s'il s'amuse avec toi. Il y en a parmi vous, vous êtes des leaders nés. Depuis que tu as 5 ans, 2 ans, 10 ans, on aimait tout te suivre. Et quand tu vas te marier sans te comprendre, tu peux parfois faire une filière qui n'a pas de sens. Vous devez comprendre que c'est crucial pour vous, pour vos enfants, de connaître exactement ce que vous voulez faire. Et je reviens sur cette pensée de la Bible. Demandez, vous recevrez. Vous n'obtenez pas parce que vous n'avez pas demandé. Juju, ne pensez pas que le nom, un anaconda peut dire le nom de Miss Bekolo. Si tu sais que tu as écrit sur ma page, arrêtez de vous faire leurner comme ça là.
Si l'arnaqueur prend son nom, il te dit que c'est lui, tu vas faire comment? J'ai des pages officielles. Et pour reconnaître ma page, je suis toujours en direct sur mes pages. Donc si vous partez vous faire arnaquer par quelqu'un qui a pris ma photo, il l'a mis sur son profil pour vous écrire, tant mieux pour vous. Mes pages officielles sont là. Mes numéros sont sur mes pages. En tout cas, quelqu'un qui connaît son argent, quelqu'un qui a travaillé son argent, là, tu ne donnes pas l'argent comme ça. Le jour où tu décides que tu vas acheter mon produit, tu vas chercher le service, tu vas aller au bon service. Voilà, je ne parlerai plus de ça. Donc, vous ne m'embêtez plus avec ça, s'il vous plaît. Très souvent, vous passez... Je suis fatiguée de voir les femmes. J'ai reçu une dame ici, 30 ans, mariée avec un monsieur qui a 20 ans de plus qu'elle. Mais elle a tellement, tellement de choses en elle qu'elle porte. Et elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas. Première raison, tu ne sais pas qui tu es parce que tu n'as pas demandé. Et on ne demande pas à reine lumière. Ce n'est pas le reine lumière qui va te dire qui tu es. Reine lumière, ce n'est pas reine lumière qui va te dire qui tu es. Deuxièmement, quand vous demandez, on vous montre ceux qui ont acheté mes encens chez moi. Ok? J'ai beaucoup d'encens, beaucoup de types d'encens. Tu mets le charbon, tu brûles. Tu mets le charbon, tu brûles. Et il y a toujours cette habitude-là à la maison. De la cannelle, ça c'est la lavande. Ça donne un très bon parfum, ça change l'humeur et tout ça. Il y a la sauge aussi. Vous n'avez pas de directive par rapport à qui vous êtes parce que vous n'avez pas demandé. Et pour moi, je crois que le plus grand vide qu'une personne peut savoir dans sa vie, c'est de ne pas savoir qui il est. Pourquoi il est là? Ce qu'il est censé faire. Connaître qui tu es. Connaître ce que tu veux faire de ta vie. Et la vision est évolutive. Dieu ne vous montrera pas le premier jour. Tu as 5 ans, tu te mets là. Seigneur, montre-moi qui je suis. Tu tends les mains. La pluie commence à tomber. Un oiseau tombe devant toi. Il a un papier sur lui. Tu prends, tu déroules. Tu ouvres. Oui, quand tu auras 10 ans, tu seras appelé à partir ici. À 30 ans, tu vas faire ça. À 50 ans, tu seras milliardaire. Sur la terre, tu es censé construire des hôpitaux. Tu es censé faire des orphelinats. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Tous ceux dont je suis mentor, je peux dire à la limite que je suis tyran avec eux. Parce que quand vous demandez au départ, il y a un peu de paresse en vous. Qui a regardé le dernier royaume? On m'a un peu parlé des films. Il y a Uhtred. Qui connaît Uhtred? J'ai regardé 5 saisons de ce truc-là. Je n'ai jamais regardé 5 saisons d'un film. I was like... Il devait traverser des étapes. Il a connu beaucoup de douleurs. J'ai même pas connu quelqu'un qui a connu des douleurs comme le gars là. Premier enfant, fausse couche. Deuxième enfant, la femme accouche, l'enfant meurt. Donc, tellement. Il devait traverser des choses et des choses et des choses. Servir d'autres personnes. Aider d'autres personnes à s'élever. Et quand il pensait que tout était fini, donc, tu vois le fini du fini du fini là. Le fini du fini du fini, quand tout est perdu. Il prend même en dernière position, il prend ce pourquoi, dès le premier épisode, on prend quelque chose. Il passe 5 saisons à essayer de récupérer. Quand il récupère, on met la ville en feu.
Quand la ville est en train de brûler, sa ville qu'il a récupérée, c'est un roi, il est censé être roi d'une certaine ville. Quand il récupère sa ville, on met le feu à la ville. Vous savez ce qui se passe? Il était à bout. Donc il savait que c'est fini. La pluie tombe. Yeah, j'ai gâté ton film. Si tu as la dernière saison, j'ai regardé le dernier épisode de la dernière saison hier. Yeah. Bonjour Christelle, bonjour Fatmata, bonjour Clo-Clo. Et à la fin, il doutait tellement de tout. Son slogan a toujours été « J'ai foi en ma destinée, j'ai foi en ma destinée ». Mais vers la fin, là, lui-même, il ne croyait plus qu'il avait une destinée. Tes propres enfants, donc, tu as tout perdu, tu perds. Mais il y avait quelque chose qui était façonné dans cet homme. Beaucoup d'entre vous, il n'y a pas la patience. Il y a des douleurs que tant que tu n'as pas connues, tu ne peux pas être leader. On t'inflige des douleurs et le lendemain, on te dit que lève-toi, tu vas travailler. Récemment, j'ai perdu quelqu'un de très cher. 48 heures plus tard, je sens le pouvoir de Dieu sur moi. Je sens, il s'est dit que c'est quoi ça? Le Seigneur me dit, lève-toi, tu parles. Je prends, j'ai fait le direct le jour-là. C'est comme si mon esprit était en train de s'élever au ciel. Tant que tu ne comprends pas que ta chair doit mourir et tu dois faire confiance en tes guides. Parce que ce sont, ils nous voient et nous, on ne les voit pas. Il y en a parmi nous. Si on nous donne beaucoup d'argent aujourd'hui, on va abandonner ça. Un jour, je suis resté comme ça. Dans mes réflexions, mais une idée me vient que si demain, là, tu tombes sur un mec qui a beaucoup d'argent, si tu tombes sur un mec qui te dit, chérie, je ne veux pas que ma femme fasse les vidéos. Je ne veux pas. Il me donne tout. Et ça m'est arrivé une fois. Est-ce que je vais arrêter? Je suis ressortie de là, j'ai compris que ma mission, c'est d'éveiller les consciences, d'activer les choisis, d'incuber les dons des choisis. Je sais qu'il y a des gens ici là que s'il fait une semaine, il ne fait pas la vidéo. D'ailleurs, quand il fait une journée, il ne fait pas la vidéo là comme ça, là où vous êtes. Tu es là, tout le temps, tu es sur la page, qu'elle n'a pas fait le direct. Il y a quelque chose de plus profond que ce qui paraît. Et tant que tu ne découvres pas quelque chose, que même si toute ta famille brûle, ta maison brûle, tu te lèves le lendemain. Tu dis, j'ai des gens qui m'attendent là-bas. Tant que ton mari ne te dit pas que tu exagères, ou tes enfants que, ah, ma mère aime ça plus que moi. C'est le prix à payer. Bonjour Florence. Moi, je ne cotise pas pour ma retraite. Ma mentalité, c'est d'investir au maximum. Je décuple mon énergie. Je mets des projets sur pied qui feront qu'à un moment, je vais m'investir totalement dans ma mission. C'est bien que si je vends ou je ne vends pas, Si je n'avais pas le business ici, parce que actuellement les œuvres caritatives qui sont menées, une partie vient des dons, une autre partie c'est l'argent que je gagne. On remet pour faire des œuvres, ok. Si je n'avais pas besoin de faire rentrer de l'argent, je vous assure, toute la journée j'enseignerai juste les faire les directs. Après ça, je vais dans les orphelinats.
Après ça, j'enseigne peut-être aux orphelins. C'est tout, hein. Je ferai que ça de mes journées. C'est pour ça que je suis en train de libérer mon temps. On m'a dit, je suis en train de me détacher de la pression financière. Et pour ça, tu dois mettre des stratégies sur pied. Ok. Donc, je reviens à l'enseignement d'aujourd'hui. Un leader, c'est quelqu'un qui a développé la capacité à se reposer sur ce qui est surnaturel, à se reposer sur la direction divine, invisible, appelez ça ce que vous voulez. À comprendre qu'il est la main de Dieu ou des dieux ici chez les vivants. C'est quelqu'un qui sait qu'il va quelque part. Et pour aller, il a besoin. Dieu peut te dire de construire un hôpital. Les papins de l'hôpital, ce n'est pas toi qui vas mettre sur pied. Tu as besoin de maçons, tu as besoin de plombiers, tu as besoin de menuisiers, tu as besoin... Toutes ces personnes vont se mettre ensemble pour t'aider à réaliser ta vision. Quand vous dites, et le meilleur moyen pour Dieu d'utiliser un leader, c'est de passer par lui pour donner un but à d'autres personnes. Le leader inspire. Leadership is inspirational. Le leader voit ce que les autres ne voient pas. Le leader voit en ces personnes qu'on amène à lui ce que ces personnes elles-mêmes ne voient pas. Ce numéro-là, il s'est fait passer pour moi. Ils font des appels vidéo avec mon visage. Si quelqu'un est assez bête pour parler avec une photo, je n'ai plus rien à dire. Tu as compris, Christelle? Si on t'appelle, on prend une photo, on met sur la caméra. Et tu crois que c'est moi. Je n'ai plus rien à dire. Et si vous doutez quand un anaka vous contacte, si vous doutez, même si c'est moi qui vous contacte, si vous doutez, demandez. Je vais vous appeler. Et quand il t'appelle, tu connais que c'est moi. Je vais personnaliser ce que je vous dis. Et mes employés me demandent, ils demandent, je vous dis. Ceux ici-là qui ont déjà demandé à me parler, je vous ai appelé. Donc, je vous ai insulté aussi, bien sûr, mais bon. Bon, je continue. Je suis en train d'enseigner ce leadership. Même s'il y a le deep morphing, tu veux que je te dise quoi? Je vais aller combattre ces gens-là. J'en ai rien à foutre. Ils auront leur récompense. Ce 653, ce n'est pas mon numéro. Ils ont même des groupes. Ils ont des groupes. Pour connaître que c'est moi, hein? Dis-moi qu'elle doit prononcer mon nom et elle doit m'insulter. Je vais t'appeler rapidement. Je vais dire que Catherine, mouf, tu vas comprendre que ça c'est moi. Et si tu suis mes directs, tu vas connaître quand même ma voix. Voilà, voilà Ariane qui dit que je fais le voice en grondant. Ouais, pardon, laissez-moi. Bon, je dois revenir sur le leadership. Très, très, très important parce que beaucoup d'entre vous, vous avez commencé votre marche spirituelle. Ok? Vous avez commencé, mais
C'est comme des plaies qui vont sortir pour vous décourager. Le bain de sel d'hier, ça t'a mis à KO. Peut-être tu avais une attaque qui venait. Ça, un peu anticiper cela. Donc, je disais que vous avez des plaies, comme des plaies dans votre énergie actuellement. Peut-être vous vous sentez offensé par quelque chose. Bonjour, Queen Aya. Peut-être vous avez commencé un projet et en cours de route, ça s'est tombé. Depuis le 8-8, je crois que c'est maintenant ou bien c'est depuis un ou deux jours que les gens vont mieux. Depuis le 8-8, c'était très lourd. Même pour faire le direct, moi, c'est très difficile. Parce que l'énergie était. Je n'ai pas fait de consultation depuis. Je n'ai rien fait. Tellement l'énergie était lourde. Donc, il y a une dame qui a pris un de mes kits, le kit des envoûtements. Je rappelle que mes produits sont conçus pour les personnes qui savent déjà où elles vont. Et quand vous tombez sur moi, vous savez que c'est moi. C'est pour ça que ces personnes se font très rarement. C'est rare que je trouve un choisi qui est tombé sur un arnaqueur jusqu'à il a gobé ce que l'arnaqueur disait. Parce qu'on est énergie. Quand tu échanges avec quelqu'un, vous connaissez, non, vous aussi. Oh, arrêtez. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on vous arnaque, c'est parce que vous êtes venu, mes assistants vous ont dit, oh, allez comme ça. Vous avez dit, oh, c'est trop cher. Il est venu derrière et dit que non, je vais te faire moins cher. Parce que vous n'aimez pas la droiture. Certains d'entre vous. Mes gens me connaissent. Et vous savez que j'ai ma rigueur. Comme j'ai ma rigueur sur mes choses. Et je dis toujours, mes produits ne sont pas pour tout le monde. J'ai des personnes qui se sont fait arnaquer. Quand ils sont tombés sur le bon numéro, ils ont compris que ton arnaque première, même d'abord là, l'ennemi ne voulait pas que tu arrives jusqu'à moi. Bon, après, je vais faire une réduction. Vous voyez que bon, tu avais perdu un peu d'argent là-bas. Parce que d'autres personnes, ça, quand ils tombent sur nous, finalement, ils commencent à nous insulter. On dit que, est-ce que c'est ma faute si tu es tombé sur la mauvaise page? Si tu connais que ce que j'apporte va t'aider, prends ton temps. Je vous dis toujours. Les gens que, oh, il m'a écrit depuis 3 jours que je paye, ce n'est pas moi. Moi, avec ma gueule, si je t'appelle de payer, moi. Je t'ai forcé de payer. Ne paye pas. Ne paye pas. C'est ton corps, non? Ok. Le salut est personnel. Un leader connaît. Tu te lèves, tu dis qu'aujourd'hui c'est le jour. L'argent qui a les 500 000 qui sont en train là, je dois aller faire mon travail. On ne te force pas. Non, depuis 3 jours, il est dans mon inbox, il me force. Non, c'est toi-même qui as cherché. Ochum. Pour you, non. Ochum. Un leader, c'est quelqu'un qu'on n'influence pas. Oh, Karababashikatala Toribashante. Oh, je fais ça. Tu sais, tout le monde dans ma famille fait, je fais aussi. Mais non. Je suis à Douala samedi pour travailler sur les gens. Je crois que c'est buy one, get one free. Donc tu payes le lavage pour une personne, tu peux venir avec une autre personne. Le lavage sur Abidjan, c'est en VIP. Je fais généralement en one-on-one. Abidjan, il y a trop de VIP à Abidjan, donc je ne peux même pas les mélanger avec tout le monde. Malaikum salam. Dorian, tu as bien dit que la moindre des choses, quand tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, tu suis effectivement. Quand les gens commencent à me suivre, je dis toujours enregistrez mes choses. Prenez le temps. Suis-moi même 3 mois. Viens dans mes directs. Quand quelqu'un me
contact. Je suis tombée sur tes vidéos hier. Je veux, je dis que n'achète rien. Lave ton sel. Lave ton sel. Reviens de temps en temps. Regarde ce que je fais. Si après un mois, deux mois, trois mois, tu sens que non, demande à tes guides, est-ce que c'est la femme-ci? Hein? Quand tu es sûr, prends d'abord un produit. Tu utilises. Apprenez, parce que je ne cherche pas les gens qui vont venir seulement pour le wassa wassa. Comprends-tu? Tu vois, quand tu veux faire l'amour, il y a l'amour rapide. Le Jacques, ok, on a 5 minutes, allons ici rapidement. Il y a le Jacques, prenez votre temps. Il y a une crème là, on appelle ça crème de nuit. C'est le genre que madame se ouvre avec avant d'aller dormir. Comme ça, le père ne la laisse pas tranquille la nuit. On va bientôt sortir ce produit, la crème de nuit. Le nom, ça m'a trop fait rire. Ça arrive, crème de nuit. Ok. Tu vois, non, la mère prend le temps. Elle met la crème sur elle. Oui. Elle met la bonne musique. Elle met le baf à côté du lit. Hein? Après, le père aussi finit tout. Il voit un peu son match là. Il prend le temps. On ne se précipite pas. Vous savez que c'est les bonnes choses qui viennent toujours. Donc, le soir là, non, 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 non. Tout ce que tu avais pensé faire depuis deux semaines que tu la regardes, FM, tu la regardes comme ça là. C'est le soir là que tu as tout le temps. Tu mets la bonne musique. C'est le genre là que je veux faire avec vous. On prend son temps. Et tu as rencontré, ça fait deux jours. Oui, je vais te parler. Il n'oublie ma personne. Un leader ne se fait pas influencer. Un leader prend en considération les données, il les observe, il les analyse, il prend son temps, il regarde. Comme quand tu veux te marier, par exemple. Ça fait 6 mois qu'on s'est rencontrés. Est-ce qu'on doit se marier? Attendez encore 6 mois. 2 ans. Hein? Pourquoi pas? Si tu es ma personne, dans 6 mois, tu seras encore là. Dans 1 an, tu seras encore là. Oui. Bonjour, Père Sévère de Brazzaville. Un leader a confiance au destin. Il n'attend pas que le destin fasse. Mais il a confiance que ce que je suis en train de faire, ça fait partie d'un ensemble de choses. Un leader, quand il arrive quelque part, il n'est pas pressé pour que ce soit lui qu'on apprécie. Un leader préfère perdre apparemment. Généralement, on dit au leader, oh, tu attends et cela, on ne va jamais te récompenser. Depuis que tu es là, il t'utilise. Parce que tu sais. Un leader tient sa parole. Donc, mon bonjour. S'il est arrivé, il a dit, patron, je peux gérer tes 10 millions par jour. Je ne touche pas, t'inquiète pas. Même si son salaire sur 10 millions qui touche, qui entre, qui sort, c'est 50 000 le mois. Il ne va pas commencer à dire, pourquoi je touche 10 millions, on me donne seulement 50 000. Un leader n'est pas pressé pour se faire justice lui-même. Ce sont des valeurs qui sont en train de finir. Ça disparaît de nos jours. Un leader
leader préfère sortir d'une situation, il a perdu, mais il a la paix. Donc il dort en paix. Et aujourd'hui, on connaît notre jeunesse. Tu vois, pour 2 semaines, ta femme a peut-être te tromper. Tu fais tout avec un homme, dès qu'il est bien, il te laisse. Il oublie sa parole. Un leader connaît que, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, je m'en sortirai. Un leader provoque la main de Dieu, provoque la main du destin sur sa vie. Un leader ne veut pas voler pour quelqu'un pour faire sa part avec. Et on se connaît aujourd'hui. Je viens renforcer certaines personnes qui avaient déjà ça, parce que j'ai l'impression que la société veut effacer nos valeurs. Parfois, tu vois des gens qui sont en relation. Tu vois les vidéos qu'elle poste ici, là, tout son corps est dehors. Tu ne sais pas qu'elle a un gars ou un mari. Parce que les valeurs sont en train de mourir. Et c'est comme si tout ce qu'on regarde vient pour diluer nos valeurs. Et on trouve que quelqu'un qui est, ah, tu es trop rigide. Tu es trop... Non. Si je vous dis, par exemple, ce mot... Est-ce qu'un homme peut être riche, célèbre, fidèle à une femme? D'après ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, les gens pensent que c'est impossible. Parfois, on te voit avec un homme, il est tellement beau et bien. Il est trop bien pour elle. Maintenant, les gens viennent. Parfois, on vient, on voit ton mari, on trouve qu'il est trop bien pour toi. Et certaines personnes essaient de le séduire. Tout ça pour te prouver que on t'avait dit qu'il n'est pas bien pour toi. Un leader, c'est quelqu'un qui ne va pas se classer derrière les autres personnes. Le leader te donnera son avis clair. Si après tu ne l'aimes plus, oh, il t'a dit. Si après tu l'aimes, oh, il t'a dit. Le monsieur qui vient dans mes commentaires, là, je vais te bloquer. Moi, il bloque moi les gens sur ma page. Peut-être que tu es nouveau. Quand on vient dans mon direct, on se comporte. On ne vient pas pour me parler mal aux gens, monsieur. Je vois la fille, la femme, c'est la Pépita. Je crois qu'il y a un monsieur qui a été... S'il vous plaît, monsieur, comportez-vous. Voilà. La première fois que je suis tombée sur ta vidéo, j'ai dit que c'est quelle dame qui insulte les gens sur Facebook. J'ai commencé à rire. La fille, c'est à la bouche. C'est comme ça que mon esprit s'est connecté avec le tien. J'ai dit ce jour-là que j'aime cette femme. She speaks the truth. Yes. Un leader ne supplie pas. Oh, come on. La partie qui me plaît jusqu'à. Tu vois, quand tu sors, tu sais que tu es belle. Croyez-moi, j'aime mon poids. Durant les 3 derniers jours, j'ai au moins 2 personnes qui ont commandé. Oh, tu manges. Je dis que, ok. Premièrement, je mange bien. Deuxièmement, quand je mange, j'aime ma nourriture. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a mangé. Je ne sais pas si vous avez mangé dans la même pièce que moi. J'aime. Quand il mange, je bénis ma nourriture. Je suis en relation. J'ai une relation très intime avec ma nourriture. Donc, tu me dis que c'est ton opinion. C'est ton opinion. Comment j'aime ça? Parce que dans notre quotidien, les gens vont toujours vouloir
mettre leur opinion sur nous. Sophie! Sophie! Mais Sophie va ouvrir le portail. Lorsque tu as la valeur en toi, on te voit comme une extraterrestre. Tu deviens une cible à abattre, évidemment. Katidia, je suppose que ça fait pas longtemps que tu me suis. Tu veux une consultation. Consultation avec moi, là, c'est délicat. Depuis au moins 10 jours, je n'ai pas consulté les gens. Et chaque jour, les gens payent les consultations. J'ai passé 4 jours. Le truc du 8-8 là, ça m'a mis à terre énergétiquement. Je ne veux pas consulter les gens. Un leader ne dépend pas de l'opinion de l'autre. Parce que l'opinion des autres va varier. Merci. Les deux, j'ai besoin des deux objets. L'opinion des autres. Ça va varier. Merci. Détachez, s'il vous plaît. Si je sais que ce que vous pensez de moi changera, pourquoi je dois changer pour suffire dans ce que tu attends de moi ou ce que tu vois de moi? Et c'est un peu bête, non? Vous avez pu avoir le monsieur, il a envoyé déjà. Oui, oui. La commande est lancée, j'ai reçu le lien. D'accord. Merci. Vous pouvez fermer? Oui, vous pouvez fermer. Je ferai les consultations à Douala samedi, physiquement. Mais il faut d'abord avoir commencé à acheter un de mes produits. Ne venez pas sans avoir acheté. Tu n'as pas acheté de mes produits, viens faire le lavage, pas la consultation. Ok? Et comme samedi, c'est dans 3-4 jours, si tu prends un kit aujourd'hui ou demain, quand tu viendras samedi, tu auras déjà commencé un traitement. Bonjour Bruno. Qu'est-ce qui est mis sur ma main, ça sent bon comme ça? J'ai touché quoi? C'est l'encens. Tout ici, là, sent bon. En fait, ça va. Je vous ai même parlé de ça tout à l'heure. Les bonnes odeurs, là. Ok, tu as déjà commandé, hein? D'accord. Oui, c'est l'encens. Je ne sais pas lequel c'est. C'est moi que ça sent bon. Ça sent très bon. Depuis le 8-8-8, c'est comme si j'avais tous les problèmes du monde. Christelle, ton énergie est très... Tu fais semblant, Christelle. Tu fais semblant. Le leader comprend d'où il vient et où il va. Et le leader ne se compare pas. Vous devez comprendre les saisons dans lesquelles vous êtes. Le leader a les saisons. J'ai une femme que j'ai coachée, ça fait au moins 4 ans. Son papa avait payé pour elle. Et à l'époque, elle avait beaucoup de poids. 4 ans plus tard, on s'est perdu de vue depuis 3 ans. Donc récemment, ça fait peut-être une semaine, je lui ai écrit, je lui ai dit, hey, comment ça va et tout. Attendez, allô? 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 Bonjour. Oui, madame, le réseau n'est pas très bon.
tard. On s'écrit sur WhatsApp. Je demande, ça va? Je ne vais pas bien. J'irai bien le jour où je retrouverai ce corps. Elle m'envoie une photo d'elle quand elle avait environ 18 ans. Aujourd'hui, elle doit en avoir peut-être 32. À l'époque, elle était mince. Elle a fait une dépression quelque part entre 25 et 28 ans. Cette dépression lui a coûté de prendre énormément de poids. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas fait la paix avec son corps. Ça veut dire que tous les matins, quand elle se lave, elle déteste son corps. Quand elle s'habille, elle déteste son corps. Quand elle traverse un endroit, elle se regarde dans la vitre. Elle déteste son corps. Vous avez déjà vu une femme qui est costaude comme ça là? Elle a du poids, mais elle fait comme si elle était mince. Je dis, si vous avez la confiance de la femme, c'est... Faites la paix avec qui vous êtes. Faites la paix avec qui vous êtes. Il y a même des saisons de ta vie où tu essaies même de perdre du poids. Tu n'arrives pas. Tu fais le régime, ton corps te regarde. Tu fais le régime, ton corps te regarde. Un leader, comment vous mettre ces mots-là? Accepte là où il est, comprends là où il va. Un leader se focalise sur ce qu'il peut changer et non ce qu'il ne peut pas changer. Sinon, vous allez tomber dans l'envie. Quel est ce genre de leader? De sa propre vision, de sa famille, ses frères, ses soeurs, leader de son entreprise, de sa communauté. Le leader commence d'abord par leader de soi-même. On ne peut dominer sur d'autres personnes si on ne se domine. Tu as suivi Persévère. Monsieur Selouk, Monsieur Selouk. Allô? Bonjour. Oui, je suis en direct. Qu'est-ce que vous désirez rapidement, s'il vous plaît? Oh, gloire à Dieu. Wow. Merci, amen. J'aime les témoignages comme ça, mamie. Oh. Ceux qui sont dans le direct, elle dit qu'elle me suit depuis le début de l'année. Ça, elle est en train de m'écouter là. Et elle dit qu'elle a pu avoir un boulot, elle a pu avoir un logement sans payer de caution. Et elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Il y a quoi d'autre que tu viens de me dire? J'ai oublié. Merci, merci Seigneur. Vraiment, ça c'est super. Oui, ok. Ce numéro sur lequel vous écrivez, c'est un numéro orange. Oui, ok, je bénis votre offrande que vous allez faire, ok, que le Seigneur continue d'ouvrir vos portes, qu'il vous stabilise et que vous que vos projets continuent d'avancer, au nom de Jésus. Merci. Bye bye. Ben, je pense qu'elle a de la chance que c'est moi qui tombe sur son appel. Normalement, c'est pas moi qui décroche ce téléphone. Une semence d'action de grâce. That's nice. On parlait, le leader
ne cherche pas d'abord à diriger d'autres personnes. Ce n'est pas quand les gens viennent que vous allez être dirigé. Les gens sont attirés par votre discipline. Les gens sont attirés par votre focus. Les gens sont attirés par vos valeurs. Les gens sont attirés, c'est spirituel, c'est plus spirituel que physique. Donc, on est d'abord leader de soi-même. Quand je rencontre les gens, je ne crois pas a priori ce qu'ils me disent, genre, oh, tu sais, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. C'est des petites choses. Je vois comment tu te comportes avec quelqu'un qui est moins que toi. Je vois comment tu te comportes avec quelqu'un qui ne peut pas te... qui a priori ne peut pas changer ta vie. Genre, ton patron, je ne sais pas, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Parce que parfois les gens font du lèche-route. Je vois comment tu parles des personnes avec lesquelles tu n'es plus ami aujourd'hui. Est-ce que tu es ponctuel? Quand tu donnes ta parole pour quelque chose, est-ce que tu oublies? Quand tu fais des erreurs, est-ce que tu les reconnais? Quand tu as un peu d'autorité, comment tu te comportes? Vous savez qu'il y a des gens que tu lui donnes un petit bureau. Quand il a le bureau, la table sur laquelle il peut mettre ses deux pieds là, comme ça là, jusqu'à s'asseoir. Hey! Oui, allez, donnez-moi ça. Prends ça, tu me donnes. Hey, donne. Petite autorité qu'on t'a donnée là. Hein? J'en ai vu dans mon entreprise, j'en ai vu. Tu prends quelqu'un. Dès que tu le mets, tu dis ok, voilà la secrétaire, c'est toi qui lui donnes ce qu'elle doit faire. Tu vois comment il méprise la secrétaire, tu wonder seulement. Donc le premier leadership, c'est d'abord avec soi-même. D'abord. Je ne saurais vous montrer comment guider d'autres personnes si vous-même, vous n'arrivez pas à vous lever et dire je vais faire ça. Est-ce qu'un leader, tu dis quelque chose aux gens et toi tu vas faire autre chose derrière? Tu ne peux pas être un leader. Un leader conduit par l'exemple. Ces principes que je vous enseigne s'appliquent dans n'importe quel domaine. Avec tes frères, avec ta famille, ta femme, tes enfants, avec tes employés, avec tes... peu importe. Tu peux être mon subordonné. Tu as le leadership plus que moi. Et les autres collaborateurs de l'entreprise te respectent plus qu'ils ne me respectent. Le respect qu'on donne à un leader, il ne le demande pas. Ça vient seul. Tu ne peux que le respecter. Et ceux qui ne le respectent pas le méprisent ou sont jaloux de lui. I'm talking good talk. I'm talking good. My talk is sweet. Ce que je dis est sucré. Un leader cherche très rarement à se faire justice. Très. Il y a ce passage qui m'a beaucoup touché quand j'étudiais l'histoire de David. David savait que Saül le poursuivait et qu'à la première opportunité, Saül le tuerait.
Quand David est arrivé dans la caverne, monsieur, c'est long. Pardon, venez voir le téléphone ici. Je peux avoir votre adresse email. Je voudrais que vous partiez à la mairie pour me faire une demande de certificat d'hébergement. Je vous envoie ça, vous imprimez. Vous envoyez ça chez le monsieur qui est à côté du magasin. Il va imprimer. Donc vous arrivez, vous prenez ça. Vous savez où on fait ça? C'est quoi votre email? Ça commence par quoi? Ça commence par quoi? H. H-S-E-L. Venez mettre ça ici, pardon. Vous avez envoyé? Oui. Donc téléchargez le document, vous envoyez ça à monsieur Arthur, il est à côté du magasin. Ok, c'est déjà là. Donc on imprime juste. Oui. Okay. Et ça, vous voulez dire quoi? Le téléphone. L'entreprise a deux téléphones. Donc je préfère vous les tenir. Parce que quand je ne serai pas là, je vais les laisser ici. Donc ce téléphone, généralement, c'est celui du magasin. Et le deuxième, c'est celui qui gère. La nuit. Ok. Les deux ont accès. La nuit, on peut laisser les deux. Mais comme vous rentrez avec un, c'est celui-là qui utilise la nuit. Mmh. Excusez-moi, je dois finir avec ça. Le premier numéro où je dis shop, ça c'est le numéro du magasin. S'il n'est pas là. Le deuxième c'est pour monsieur Arthur, son numéro personnel. Donc vous envoyez sur l'un des deux et puis ils vont imprimer ça. Faites deux exemplaires s'il vous plaît. Ok, merci. Un leader ne se plaint pas, il avance la tête haute contre vents et marées. Il y a quelque chose qui cloche dans ce que vous avez dit. J'essaie de trouver des mots. Quand un leader ne se plaint pas, il peut avoir deux alternatives. Il ne se plaint pas et puis dit, il ne parle pas aux gens, mais dans son cœur, voilà, c'est toujours moi qui souffre ici. Vous allez voir, vraiment, il y a une attitude de victime qui ne se plaint pas. Ou une attitude de victorieux qui ne se plaint pas. Ok, vous avez fait ça, bon voilà, même si vous avez, ici ça a échoué, il n'y a pas de problème, j'avance, parce que je sais que, voilà ce qu'on est censé réaliser. Donc, les deux personnes sortent d'un échec. Une personne a la mentalité de victime, l'autre a la mentalité de victorieux. Le leader, c'est celui qui a la mentalité de victorieux. Parce que dès que tu tombes dans l'attitude de victime, tu es sur la passerelle pour basculer. Daniel, je n'aime pas vous commenter, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc dans votre esprit qui ne me va pas. Je suis sûr que vous ne m'aimez pas particulièrement, mais je sais pas ce que vous faites dans mon direct. Vous avez une énergie qui... Qu'est-ce que vous faites dans mon direct? Vous venez de cliquer sur ma vidéo, vous voulez savoir ce que je fais. Je suis assise dans mon bureau, je suis en train de parler. C'est bon. Voilà, il y a un tableau là-bas, il y a une vitre là-bas, il y a le mur derrière moi, la chaise. C'est bon. Je suis en train de parler. Ok. Je reviens dessus. Quand David a trouvé Saül dans cette taverne, caverne, je ne sais pas trop. Saül dormait. Sachant que Saül voulait le tuer depuis longtemps, David avait l'option de le tuer et d'en finir. Soyez très vigilants sur les personnes qui sont passives avec vous. Il y a des personnes qui ne vous aiment pas,
et passivement vont faire comme si. Ne restez pas avec les gens qui vous tolèrent. Vous devez être sûr sur toute personne qui vous entoure. Soit tu es totalement les deux pieds dans moi, soit tu es les deux pieds hors de moi. Either you're into me or you're not into me. I don't want one foot in, one foot out. Parce que one foot in, ça va te conduire irréfutablement à de la jalousie ou de la haine ou de l'amertume, ce qu'on appelle resentment. Vous avez trop de personnes autour de vous que vous tolérez. Quand tu tolères quelqu'un, et très souvent, on t'a montré les signes au départ. Tu as vu, tu as ignoré. Vous savez qu'il y a des réussites parfois que quand tu annonces, oh, je vais me marier. Je le sens que tu n'es pas content du fait que je vais me marier. Je le vois sur toi. Mais après, je commence à me dire non, voilà, je l'ai surpris avec la nouvelle. Elle ne savait même pas que j'étais, je sortais avec quelqu'un. Bon, voilà, c'est le choc, non? Non, c'est la jalousie. Quand tu ignores là, que ce soit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce petit truc que tu as laissé là, ça va grandir. Demain, vous allez vous retrouver que, oh, elle a pris mon mari. Oh, elle est venue, elle a mal parlé de moi, mon mari m'a quitté. Que, oh, elle a fait ça. Non. Parce que tu as vu des petits signes au départ, tu as zappé. Soit le blanc, soit le noir. Pas le gris, pas le marron. Soit blanc, soit noir. J'ai dit quoi? Et c'est que vous allez vous dire, ah, ça veut dire que je n'aurai personne. Tout le monde va partir, tu vas quitter à côté de moi. Ça veut dire que tu étais mal entouré. Parce que sans le savoir, ces personnes à côté de vous vous diluent. Tu étais d'abord ou blanc ou noir. Tu commences à devenir grisâtre, marronâtre. Et c'est parce que chaque jour, ces personnes viennent te nourrir de leur tiédeur. Quand ces personnes qui... Je parle toujours du fait que sans moi, ils trouveront une solution. Donc ne viens pas me faire le chantage que si je ne suis pas dans ta vie, tu vas mourir. On aurait pu ne pas se rencontrer. J'aurais pu ne pas aller dans ce magasin-là le jour-là. Tu aurais vécu. Pourquoi vous laissez des personnes qui vous salissent? Ils salissent votre vêtement blanc. Ils salissent aujourd'hui, tu nettoies. Tu lui dis, va te laver. Il rentre chez lui, il revient le lendemain, il est encore sale. Toi, tu t'es lavé la nuit. Vous voyez que ça ne va pas, non? Quand on affaiblit ton esprit, tu manifestes moins. Si tu pouvais faire quelque chose en une semaine, tu te retrouves en train d'hésiter. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Peut-être. Non. Oui. Non. Laissez. Oui. Non. Je suis. Demain. Ça part des gens que tu as à côté de toi. Ce que je vous dis est très spirituel. Et pourtant, c'est anodin. Tu
Tu as quelqu'un à côté de toi qui t'énerve depuis. Ah, si, pas, je vais faire comment? Je ne peux pas l'abandonner. Son énergie déteint sur toi tous les jours. Tous les jours. Tu te lèves le matin. Seulement le bonjour que tu lui dis. Ah, j'ai pas bien dormi mon dos. Ah, vraiment là. Ah. Seulement le fait que tu as écouté son ah, il va être passé froid d'esprit. Tu arrives au travail, tu t'assois. L'affaire d'esprit. Moi, je ne tolère pas. Je ne tolère que. I don't want to know. I don't want to know. Non, non, non. Je ne veux pas savoir. Bonne journée, Tradi. Tradi, attends, c'est toi? J'ai été sur ta page une fois. Tu es au Gabon. C'est toi? J'ai beaucoup aimé ton contenu. Je sais pas, c'est toi. C'est toi? Dis-moi, tu es au Gabon. Parfois, je passe sur les pages des gens comme ça, là. Et ça me plaît. Je sais pas si c'est elle. Non, je sais pas. Dis-moi d'abord, tu es au Gabon. En France, est-ce que tu fais des vidéos spirituelles? Je suis tombée sur la page d'une femme comme ça. J'avais l'impression qu'elle était au Gabon et faisait des vidéos spirituelles. Non, c'est que c'est pas toi. Mais tu devrais en faire, chérie. Tu devrais en faire. Tu me donnes les mêmes vibes de cette dame. Les mêmes vibes. Ok. Les gens se disent parfois que leur délivrance, c'est quand je vais imposer ma main sur eux, ils seront délivrés. Tu vas rentrer à la maison avec la même personne là. C'est pas seulement parce que tu couches avec un homme qui te transmet les mauvaises choses. Le fait seulement que la personne soit dans la même maison que toi. Tu le vois à la cuisine. Il passe. Moi, il n'aime pas vivre avec les gens. Ok, il n'aime pas qu'on me parle. Parfois, il me lève le matin. Je ne veux pas parler à quelqu'un jusqu'à 8 heures. Ne me demandez rien. Ne me dis même pas bonjour. Je ne veux pas sentir l'énergie de quelqu'un. Bonjour, Marie. Seulement le fait que cette personne soit dans ta maison, elle émet un champ énergétique. Un champ énergétique autour. Ça t'est déjà arrivé, tu mets quelqu'un dans une chambre. Quelque temps après, la chambre a l'odeur de la personne. C'est plus profond que ça. It is way deeper than what you think. Quand je ne te sens pas, tu ne restes pas chez moi. Quand je ne te sens pas, tu ne... pourquoi? Vous ne savez pas que le vol d'étoiles, c'est pas seulement que, oh, quand j'étais petite, ma tante est venue, elle a fait goulou. Non! Il y a des personnes que, en restant à côté de vous, ils utilisent votre étoile. Ils ont besoin de ta foi pour ces affaires. Et toi, tu es là tous les jours. Après, je me demande, mais pourquoi ces enfants deviennent intelligents, mes enfants deviennent plutôt bêtes? Et n'oubliez pas qu'il y a des gens que leur sorcellerie est. Ils se sont réincarnés au moins 100 fois.
Donc quand ils viennent à côté de toi, toi tu es en train de t'éveiller un peu. Tu vois, la personne là connaît le lavage avec le sel et le pipi depuis 20 ans. Ça fait 2 mois que tu connais. Même depuis 2 mois que tu connais, là tu ne voulais pas faire. C'est depuis 3 jours que tu as commencé. Tu es avec la personne comme ça, un projet commence. Un projet commence. Oh my God, merci ma chérie, c'est très gentil. Waouh, je suis sans voix, je ne sais même pas quoi te dire. Waouh. Normalement, je vais te faire un cadeau en retour quand je vais revenir, franchement. Merci beaucoup, merci, merci. Oh, elle vient de me faire une grande faveur. J'ai de la peine à accepter les cadeaux. Et... parce que quand j'accepte, j'ai toujours envie de donner. Bon, je ne vais pas te faire de cadeaux, merci seulement. Bon, je suis en train de... Dieu est en train de me parler dans mon esprit. J'accepte, merci beaucoup, merci. Merci, c'est très gentil. Ok? Je ne veux rien te donner en échange. Je te remercie. J'ai de la peine à accepter les cadeaux souvent. Quand quelqu'un me donne, j'ai toujours envie de donner. Donc, merci. Merci. Oh, c'est très gentil. Ok. Voilà, je vais continuer sur ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure. J'espère que vous allez comprendre. Le vol d'étoiles ne se fait pas seulement une fois. Genre, j'étais chez ma tante, elle m'a envoyé, elle m'a amené chez un tradi, et puis là-bas, ils ont pris. Parfois, tu as quelqu'un à côté de toi. Peut-être chez toi. Ou quelqu'un qui est au courant de tes choses en première ligne. Parfois, vous pouvez avoir vos hommes de main, vos assistants personnels qui volent vos étoiles. Faites d'ailleurs très attention à ces personnes. Donc, la personne vit chez toi. La personne est là à côté de toi, a accès à tes enfants, de ce qui te concerne, ta maison, tes affaires. Elle peut parler un peu par-ci, par-là. Chaque jour, quand tu conçois un projet, la personne fait partie des premières personnes qui sont au courant. Hmm? Ah, on veut faire les papiers de son fils pour qu'il parte au Canada. C'est elle que tu envoies de partir photocopier les documents. Ah, on veut faire les préparatifs pour le mariage de sa fille. C'est elle que tu envoies pour aller au marché faire les achats. Ces personnes, je vous le rappelle, ont beaucoup d'années et de vie antérieure de pratiques négatives. Ce qui fait que leur mauvais œil est très puissant. Je n'ai pas dit qu'ils sont plus puissants que vous. Mais leur mauvais œil est puissant. Parce qu'ils ont développé déjà cela. Toi, tu n'as pas encore développé ta part. Quand tu tombes sur mes vidéos, tu dis, ah, elle va de trop. Du coup, ils ont développé la capacité. Quand ils voient, quand ils viennent chez toi pour travailler, ils voient ton enfant. Ils connaissent l'enfant s'il va aller loin. Et s'assoit à côté de l'enfant là chaque jour. Progressivement, ils donnent des mauvaises idées. Ils voient l'enfant faire quelque chose de mauvais, il ne parle pas. Ils lui ont fait un mauvais rapport sur l'enfant, ça vous énerve. Vous grondez l'enfant. Oui, je ne vais même plus faire ça pour toi. Je ne vais même plus faire ça. La personne est en train de progressivement voler l'étoile. Si c'est ton frère ou ta soeur, par exemple, quand la personne est chez toi, la personne a ses enfants. Finalement, ok, il faut aller inscrire tes enfants à l'école. Mettez votre téléphone sur vibreur, s'il vous plaît. Le bruit, je l'entends jusqu'ici. Donc, du coup, ce truc d'étoile, quand à la rentrée, généralement, tes enfants partent à l'école de 1 million. Tu les vois, tu dis que ouais, c'est quand même ma petite soeur, non, ouais. Tu te sens obligé de prendre ces enfants pour les mettre au même niveau que tes enfants. Il y a un vol d'étoiles qui commence. L'étoile, c'est aussi à travers les paroles. Tu laisses ta fille chez ta soeur. Les paroles qu'on va dire à ta fille pendant 3 ans que tu seras chez elle, elle sera chez ta soeur là. On te donne que des mauvais rapports sur ta fille. Toute la lumière qu'il y avait sur ta fille diminue. Quand tu reprends l'enfant, l'enfant est brisé. Et en reprenant l'enfant, même on te dit, prends aussi ma fille. Tu prends son enfant, tu traites bien, alors que chez elle, ton enfant était maltraité.
On a un échange de quoi qu'on a fait. Ton enfant descend en faveur, son enfant monte en faveur. La méditation de cette personne. Quand on vient chez un traduit praticien ou bien quand vous contactez un spiritualiste, c'est juste pour que Matthieu 18, verset 18 se mette en pratique. Quand deux personnes s'accordent sur quelque chose, tout ce qu'ils demandent leur est accordé. Le traduit praticien, le spirituel, le nganga, la magnétie et celui qui vient comme client. Je veux ça. Il dit, ah ok, donne-moi l'argent, donne-moi ceci en échange. On s'accorde et on médite. Comment on médite là? Il y a une puissance qui se crée. Il y a des personnes de votre famille, s'il vous plaît, qui ont déjà développé ça. C'est ta soeur, c'est ta petite soeur, mais c'est une sorcière. Du côté négatif. Depuis que vous étiez petit, elle a tout dominé sur toi. Son cœur a tout été mauvais. Parce qu'elle a elle manipulait vos parents. Toi, aujourd'hui, ah, c'est ma soeur, non? C'est ma soeur. Ses intentions, on t'a toujours dit que fais attention à ta soeur. Voilà comment vient on vole vos étoiles. Parfois même avec vos hommes, tu rencontres un homme. Oh, oh, oh. Tu commences à lui. Tu t'achètes un truc de 100 000, tu lui achètes quelque chose de 100 000. Il a travaillé comme quoi tu as ton niveau. F. J'ai envie de. Je veux sortir les mots. Après, tu te sens mal, tu veux porter tout pour lui donner. Vos étoiles, chérie. Appelez ça comme vous voulez. Soyez intelligent. Be wise. Parce qu'il y a des personnes souvent qui, quand on te dit qu'ils ont volé l'étoile, tu te dis que mais ma tante ne fréquente pas les marabouts. Tu le sais. Mais sa méditation sur toi, c'est le Helele. C'est le grand frère. Ne blaguez pas. Ne soyez pas seulement des suiveurs. Après, tu te demandes, mais pourquoi? Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que toi, tu as ouvert, tu as toujours ouvert la porte à quelqu'un. Je fais toujours la différence entre mes enfants. Et je ne le cache pas, je n'ai pas honte. Soyez très sage. Je plains seulement vos enfants. Quand on dit qu'on va travailler sur vos enfants, vous ne venez pas pour qu'on travaille sur eux. C'est une réalité que beaucoup de... On doit faire face à cela, on m'a dit comme ça.
There's a promotion. Il y a la promotion pour ce week-end, non? Pour travailler sur les enfants. On peut mettre aussi la même promotion, peut-être sur les coques. Hein. Je crois qu'on peut mettre ça sur les coques. Parce que je vais travailler dimanche au village. Je vais vous dire, on annonce ça sur la page. Ok. Yolande, pour toi en particulier, si je fais les coques pour tes enfants, je crois que tu en as deux. Oui. Salut, annoncez dans les groupes seulement, pas sur Facebook. Annoncez dans les groupes. La promotion de une personne pour deux, un paiement pour deux personnes, c'est valable pour les coques pour les enfants. Pour ceux qui veulent travailler sur leurs enfants, là. Bonjour Alex. Merci Alex. Tu me fais toujours des cadeaux, merci. Je reçois. Que toi tu ne manques pas. Oui. Oui Yolande, il faut envoyer, envoie leur... if you want me to work on them, I work this weekend. Ok. Bon, j'espère que ce que je vous ai dit pourra vous aider parce que on est dans une bataille pour maintenir nos valeurs. On est en bataille pour maintenir les valeurs. On t'a identifié. Pardon, sors. Yeah. Qui t'a identifié? Sors, pardon. Comment vous identifiez les gens sur ma page? Désolé, hein. Hypnotique. Faut partir, maman. Tu as compris? Non, si c'est ton gars qui t'a identifié, ça veut dire que tu dois rester. Si c'est ton gars, reste, ne pars pas. Tu as compris? Reste. C'est mieux que tu me suives, au lieu de ça, ton gars qui me suit. Ben c'est toi, ça veut dire qu'il veut que tu, il veut que tu mettes en pratique ce que je fais, ce que je dis, mais il ne connaît pas comment te dire. Va sur la page, tu regardes le bain de sel. Donc les gars ont même honte de parler du bain de sel à leur goût. Hein. Vous venez les taguer sur ma page. Ya. Yeah. Il faut lui dire que ya. Yeah. Va regarder ma, sur ma page, tu vas voir le bain de sel. Marie Marcel, si vous avez un seul enfant, c'est 100 000. Si vous avez deux enfants, c'est 150 000. T'as suivi, non? Un enfant, c'est 100 000. Deux enfants, c'est 150 000. Voilà. Il faut beaucoup regarder mes vidéos. Quand un homme conseille mes vidéos à sa femme, mamie, ça veut dire que ton gars veut changer. Mais il a besoin de ton aide. Si tu as trois enfants, ça fera 250 000 au lieu de 400 000. Non, attends, au lieu de 450 000. Donc, tu as une réduction de carrément, une réduction de 150 000. Oui, lavage, promotion, un enfant pour deux, c'est ça. Physiquement, à Douala, il faut les envoyer aussi. Le lavage de la rentrée se fera samedi à Douala. Pour ouvrir l'école des enfants et tout ça. Oui, quand ton enfant ne vit pas avec toi, tu dois travailler. Au contraire, c'est là que tu dois travailler sur ton enfant. C'est là que tu dois travailler sur ton enfant. Oh, colo, pardon. Faut pas blaguer. C'est là que tu travailles sur ton enfant. Vous allez vous laisser vos enfants aux gens. Après, tu vas l'enfant devenir têtu qu'un genre, Tu es en France, tes projets n'avancent pas. Bravo! Faut te laver aussi. Tant que toi-même, en tant qu'homme, tu ne peux pas t'asseoir et dire que ma vie doit avancer. Les bassines là, vous n'avez pas trouvé sur le marché, monsieur Selouk. Vous êtes
allez au marché ou à Chic Shop? Au marché, il n'y en avait pas. Pardon, envoyez la jeune fille au marché. Pourquoi vous faites ça? Vous serez pénalisé. Même 1 000 francs là-bas, m'acheter mon attiqué tout à l'heure. Quand on... Pardon? Et vous les payez en espèces? Payez, il n'y a pas de... Et c'est devenu gentil, hein? Je ne pénalise même plus trop les gens. Voilà, attendez, je fais les lectures. C'est quand l'enfant n'est pas avec toi que tu dois travailler sur l'enfant. J'espère que vous avez suivi. Bon, je vais faire les lectures aujourd'hui. Et on me dit que je dois d'abord prier pour vous. Parce qu'on jeûne aujourd'hui. N'oubliez pas. On peut faire la lecture 2 fois. Mais bien sûr, si tu fais la lecture ce mois, le mois prochain, la lecture sera différente. Pas totalement différente, mais la lecture, c'est en fonction de là où tu es actuellement, là où ton énergie est actuellement. Ok? D'accord. Donc, je dois d'abord émettre des vœux pour vous. Donc, je vous libère de toute malédiction. Ok, pour ce jeûne que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je déclare sur vous la concentration, que votre corps arrive à tenir pendant le jeûne, qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère, que partout où vous allez aller, que le Seigneur lui-même se pointe pour vous guider, que le chemin vous soit montré au nom de Jésus. Aucune arme forgée pour vous dérouter, décourager ne peut prospérer. Je mets sur vous la faveur, l'ouverture de vos portes au nom de Jésus. Que tous vos projets reviennent à la surface, que ces projets se concrétisent. Ce dont vous avez besoin, que vous puissiez recevoir pendant ce jeûne. Que les enseignements que je vous ai donnés ici aujourd'hui, que ça vous permette, ça fait 1h30 que j'enseigne, que ça vous recadre, que ça vous soulève de toute fatigue spirituelle, de toute fatigue émotionnelle, tout découragement dont vous êtes la victime depuis quelques jours, que vous en soyez soulevé au nom de Jésus. Parfois, on s'épuise. Et les premières personnes qui seront attaquées par l'ennemi, ce sont les personnes qui travaillent sur elles. Oui. Bon, postez aussi dans les groupes sacrifice d'animaux, il y a les réductions dessus. 50 000 réductions. Oui. Surtout les sacrifices. Sur le bouc, on va réduire 75 000. Sur les coqs, on va réduire 50 000. Mouton aussi, on réduit 75 000 sur le mouton. Sans beaucoup de personnes, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. Ce n'est pas par votre propre assistance que vous allez travailler. À un moment, vous avez besoin d'aide. Oui, vous avez besoin d'aide. Et n'attendez pas seulement que Dieu fasse tout dans votre vie. J'attends le temps de Dieu. Si Dieu veut, ça se fera. Tu laisses aussi. Prie, jeune chérie. Il faut restaurer l'amour dans ton foyer. Il faut protéger ton couple. On a les lavages mariage, par exemple. Le lavage mariage, c'est 30 000. Tu envoies la photo de toi et ton mari. S'il y a les gens, parce que parfois, vous êtes menacé dans le couple. Vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas pourquoi. Fais un lavage mariage. Tu n'es pas en train de pratiquer pour bloquer ton gars ou pour l'attacher. Pour que non. C'est que les engagements qu'il avait pris avec toi il y a cela 5 ans quand il t'épousait. Quelqu'un en train de vouloir détourner son cœur. Quelqu'un en train de vouloir le décourager. Tu réclames juste que tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire, qu'il fasse. C'est tout. Ce n'est pas trop demander que de demander que tu fasses ce que tu as dit que tu devais faire. You have blood in your room. I cannot help with that one. Okay? This is not in my jurisdiction.
Hein, Yurina, j'ai vu tes appels. Tu veux me parler, hein? D'accord, pas de souci. Attends. Oui, je peux te parler. J'ai vu que tu appelles beaucoup ces derniers temps. Je ne sais pas si tu as un souci. Je peux te faire. On peut payer par Wave. OK? Merci. Yurina. Bon, je fais la lecture. Je précise que je vais lire ceux qui ont payé, ok? Et leur numéro est dans mon inbox. Yurina, tu as payé une lecture. Quand elle t'a appelé, tu vas décrocher. Quand il appelle quelqu'un, il décroche pas comme ça. Pourquoi j'ai le temps pour t'appeler encore? Ce soir, je voyage, donc je ne serai pas, disponible. Ok, je fais la lecture de ce jeune homme. Bon, il a beaucoup de situations qu'il a subies dans l'enfance. Je crois que le cadre dans lequel il a grandi. Ça ne va pas dans sa faveur. Donc, son âme est un peu dans la souffrance, on va dire. C'est quelqu'un qui doit beaucoup vouloir. Il doit vouloir la guérison. Donc, ça fait aussi partie de son chemin de vie. Il a beaucoup de choses à faire plus tard, mais pour l'instant, il y a des malédictions familiales qui ont fait qu'il soit traumatisé dans l'enfance. Il a une grande mission sur la terre. Et il a aussi aidé les gens. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de. Il doit faire du caritatif. Ça va ouvrir son énergie, ses dons. Il sera aussi un grand businessman. Il doit vendre sur les réseaux sociaux. Il doit vendre des produits en ligne. Malheureusement, il est tellement gentil que les gens vont vouloir le tromper. Il va falloir qu'il continue aussi l'école, qu'il n'abandonne pas l'école tôt. C'est un soldat de lumière, mais il n'est pas encore ouvert. On n'a pas encore ouvert son énergie. Donc, il faut qu'il demande un rituel de retour à l'envoyeur et un détachement et un lavage à distance pour cet enfant. Si sa mère peut, qu'elle paye pour qu'on fasse un sacrifice de corps. Parce que je vois des malédictions sur lui et on doit lancer une poule dans son village. Tu peux avoir la lecture gratuite. Tu viens d'arriver dans mon direct, tu veux le gratuit. Là, moi, tu m'as fait sursauter. Personne ne demande le gratuit ici, chérie. Demande à ton gars. Ton gars qui a donné le numéro là. Dis-lui, appelle-le. Tu dis que Reine Lumière a dit. Et s'il ne fait pas, tu me donnes son prénom. Je vais faire le voice, je vais l'insulter dans le voice là. On n'envoie pas les filles chez Reine Lumière, on n'a pas l'argent. Tu as compris? Voilà. Si c'était vraiment un gars là, sa femme ne doit pas être dans les directs en train de demander aux gens. Tu as compris, chérie? Que c'est mon frère. Je vais te bloquer. Dis ça à ton gars vite. C'est ton frère Cameroun. Je mange ça. Hop. Bon, on va voir ce qu'il y a pour Monsieur Bienvenu. Il doit d'abord travailler sur lui. Comme il a dit que côté travail, quoi, quoi, là. Il doit travailler sur lui parce qu'il voit beaucoup de. Il voit comme si on l'a attaché un peu là. Il était dans une relation avec une femme et il ne s'en est pas bien passé. Énergétiquement, il a pris des choses chez la femme là qui le bloque actuellement. Et il a une malédiction qui vient du côté de son père aussi. Il est censé avoir beaucoup d'argent. Il est censé.
Je crois qu'il n'a pas la main stable. Quand il a l'argent, ça part. Il a sa part. Donc, il va demander un rituel de protection. Et il doit aussi prendre les trucs comme les encens, le sel, maison hantée. Il doit nettoyer sa maison, purifier sa maison. On va beaucoup lui parler dans les rêves. Je crois aussi qu'il est en pleine activation. Et il va beaucoup avoir la direction pour faire ses business, la direction divine. Voilà. C'est quelqu'un qui est censé faire du business. Bon, je vois aussi beaucoup de promesses. On lui promet, ça ne donne pas. Donc, s'il a besoin d'une promesse d'embauche ou quelque chose comme ça, une promotion qui arrive, ça, on va peut-être le feinter pour ça. Ça ne va pas marcher. Et ça, c'est pour qu'il se tourne vers l'intérieur et qu'il guérisse. Je crois qu'il doit pardonner. Ou bien, s'il a fait l'enfant avec une femme, il doit s'occuper de cet enfant. Donc, actuellement, il a sa confiance en soi qui est très attaquée. Il doit aussi faire les dons aux orphelins. Je crois qu'il est, il dit, oh, je n'ai pas l'argent. Il est très négligent avec ces choses-là. Il doit faire un salaka dans son village. Donner à manger aux gens dans son village. Oui, peut-être en nettoyant une tombe d'un de ses grands-parents. Il donne à manger aux gens là-bas. Oui, ça va beaucoup aider son aura. Il doit prendre un kit fondation, demander un rituel de détachement et après ça, un kit désenvoûtement. Les produits sont à quel niveau, s'il vous plaît, monsieur Célou? Ce qu'il a envoyé. Donc, je vais lire la dame. Elle a un esprit récalcitrant qui fait qu'elle n'a pas la faveur partout où elle va. Pourtant, c'est une reine. Je crois qu'elle est peut-être successeur de quelqu'un au village. Oui. Et il y a des choses qu'elle connaît. Peut-être qu'elle voit même sur. Souvent, on lui parle souvent dans les rêves. Elle a échappé aussi à la mort. On a essayé de la tuer plusieurs fois. Tu vois, beaucoup d'argent. Elle est successeur de quelqu'un. Elle doit acheter un habit d'op pour porter. Oui, ça va un peu calmer. Parce que je vois un peu comme son corps s'active beaucoup. Mais on lui parle et ne comprend pas. Parce qu'elle a des outils spirituels qu'elle doit acheter. Elle doit aussi acheter le parfum qu'on a. Il y en a une eau pour le visage, là. Oui, qui enlève les voiles sur le visage. Elle doit acheter ça. Oui. Elle doit aussi faire des dons dans un orphelinat. Et dans sa famille, il faut qu'on lui donne sa succession. Si elle est censée être successeur de quelqu'un. Et elle doit faire le commerce. Comme si elle a commencé, après elle a laissé. Oui. Si elle est déjà en activité, dites-lui de faire un sacrifice de bouc. On est en promotion actuellement. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup d'argent qu'elle est censée avoir, mais ses attaques, ce n'est pas le petit degré d'attaque. Je crois que dans son village, elle doit avoir un chapeau qu'elle doit porter, qu'on ne lui a pas donné, et c'est ça qui dérange. Oui, elle doit faire un sacrifice de bouc et un sac dans son village. De mon côté, elle achète le kit de désenvoûtement, la poudre jaune là, elle doit prendre en quantité pour le poison dans le ventre et le voile sur le visage. Salut ma chérie, tu es à Abidjan. Tu peux venir aujourd'hui, je te vois. Si tu peux venir aujourd'hui, je peux te consulter aujourd'hui. Je vois que tu as déjà commencé les produits. La lecture, c'est 22 000, ma chérie. Je vois belle femme comme ça. Moi-même, je m'étonne. Sawa, écris à mes secrétaires. Je n'étais pas encore lu. Sawa, écris, on te remet en tête de liste. Bonjour Nelly. Marcel, j'ai rendez-vous avec toi. Tu seras là à 12h15. On a rendez-vous à Abidjan. Ah, et je viens de voir une belle femme ici là. Que je dois lire. Tchat! Beauté sur elle, la paix. Ma chérie, tu es belle! Que tu es belle! Oui, si tu peux venir, je ne consulte pas entre 12h et 13h, donc viens à 13h30. Ok? Oui, le nouveau local est en face de la DB. C'est là-bas que je serai. En face de la DB. Il y a Société Générale, il y a une cité à côté. Tu entres dans la cité là. Ça s'appelle Vision 2000. Mm-hmm.
Ma chérie, tu es trop belle. Pas que trop, mais tu es trop, très belle, ok? T'as un charisme là. On va voir ce qu'ils ont pour toi, ok? Tu as une notion de guérison, ok? Tu as un don de guérison. Et peut-être tu es architecte, mais tu devrais faire dans ça. Tu es une personne que tu planifies très bien les choses. Et malheureusement, tu as un problème de confiance en soi dans le sens où l'énergie que tu reflètes aux gens, tu ne crois pas que tu as cette énergie. Donc, si tu peux prendre mes cours sur le leadership et mission de vie, ça va t'aider. Là, tu vas découvrir qui tu es. Je vois aussi que beaucoup de gens sont très jaloux de toi. Très jaloux de toi. Et tu as une sorte de prison. Peut-être que tu as été dans une relation et ce qu'on t'a dit dans cette relation ou bien dans l'enfance, ce qu'on t'a dit, ça t'a mis dans une prison mentale qui fait que tu ne penses pas que tu as beaucoup de choses à faire sur cette terre. Tu es censé être très riche. C'est pour ça que tu t'habilles toujours comme une reine, comme une femme qui a beaucoup d'argent. Oui. Et tu es censé aussi avoir beaucoup de rêves prémonitoires. Pardon, donnez-moi un des téléphones là. Tu es très haut placé dans le spirituel. Tu es censé être très haut placé dans le spirituel. Tu es censé être connu. Donc, à un certain moment, tu feras des vidéos. Le vert. Tu es censé avoir... être connu sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi beaucoup de... Les jalousies des gens vont provoquer beaucoup d'événements imprévus dans ta vie. Mais il va falloir que tu sois très préparé dans ce sens-là. Il va falloir que tu... Je te vois faire beaucoup de bains de Cléopâtre, demande le kit attirance. Et puis tu pourras prendre le kit fondation après. Oui. Et il y a un kit sirène qu'on vient de sortir. Voilà, si tu peux aussi prendre celui-là. On essaie de trop brouiller ton énergie, chérie. Donc, demande un rituel de détachement et une couverture astrale. Ça va t'aider pour un début, pendant que tu travailles sur toi. Oui. Allô? Oui, rapidement, je suis en direct. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ouais, regarde, fais-moi un voice, parce que ça coupe beaucoup. Fais-moi un voice, le voice sera lisible. Je vais écouter maintenant, s'il te plaît. Oui. Je donne quand même la priorité à mes employés. Il a un problème personnel. Allô? Allô, maman. On t'a arnaqué. Ouais. Tu veux venir faire le lavage samedi? Ok, il faut venir. Je vais te réduire l'argent. Tu as compris, non? D'accord, de rien. Bye bye. Ouais, les anacleurs vous veulent quoi? I don't know. Je vais reprendre les lectures. Attendez, si on ne pose pas ça aujourd'hui là, ce qu'on ne peut pas faire. J'ai dit dans le direct que sacrifice de coq, un enfant 100 000, deux enfants 150, sacrifice de bouc, réduction de 75 000, mouton 75 000, voilà. Je pense que c'est tout. Je vais vous envoyer la capture d'écran de cette dame. Je lui ai permis d'avoir une réduction parce qu'elle s'est fait arnaquer apparemment. Donc, elle doit vous montrer la personne, enfin, comment le paiement aux arnaqueurs. Et samedi, on va lui faire une réduction, s'il vous plaît. Ne me dis pas par là. Si tu dis 13h30, tu viens à 13h30, s'il te plaît. OK?
Si tu as déjà payé la consultation, c'est bon, tu viens. Mais si tu n'as pas fini de payer la consultation, règle tout avant de venir. Tous mes services sont en avance, ok? Je t'envoie ma localisation. Reste tranquille. Reste tranquille. Tu as compris, non? Calme-toi d'abord, ne dis rien. Je vais finir le direct, je vais vous appeler tous les deux. Parfois, enfin, les petits problèmes qu'on vient avec moi, vraiment, je sais que ça fait mal. Garde votre la patience pour le moment. Gérer les êtres humains, ce n'est pas facile. C'est pour ça que tu as besoin de sagesse. Et il faut apaiser les cœurs. Chacun vous tire la couverture de son côté, comme ça. Bon, on reprend les lectures. Toi, Sénégal, Viviane, paye par Wave. Tu peux payer par Wave, Viviane. Ceux qui ont payé déjà et qui sont en train de parler à mon standard maintenant, on vous remet dans le groupe, je vous lis à l'instant. Donc, si vous êtes en train d'écouter, vous avez déjà payé, je vous passe en priorité. C'est 22 000, Viviane. OK? Le numéro, c'est le 0779 225 0779 0252 05. Pas encore de quoi noter. 237. Non, 225. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. 225. Tu fais le wave, OK? Transfert wave. 225 07 79 02 52 05. Et 22 000 ou encore 35 euros. Bon. Salut, monsieur Alfred. Quand ils voient dans tes yeux, là, il y a un esprit familial très louqué sur toi. Peut-être tu accro à l'alcool. Tu dois avoir un vice qui vient de ta famille. Et ça te dérange. C'est un peu comme si ça te réclame à chaque fois. Oui, il faut demander le kit désenvoûtement. Ou tu prends le thé de désenvoûtement. Il y a des choses, je vois qu'elles sont dans ton ventre, dans ton estomac. Je pense plus que l'alcool. Et ça te dérange beaucoup. Vous pouvez faire PayPal. Donc, à chaque fois que tu as quelque chose qui veut marcher, ça fuit. Et tu es même censé être connu. Peut-être tu es censé avoir une boutique où tu vends beaucoup de choses. Et ça marche bien. Et tu es quelqu'un de très créatif. Mais tes idées n'aboutissent pas très souvent. C'est l'esprit que je vois derrière toi là en fait. Et je vois comment ça frustre aussi tes mains. Tu dois être à ton compte.
Même si tu es employé quelque part, il faut travailler à ton compte. Si c'est sa femme ou sa soeur qui a demandé ça, cet homme a besoin de boire du thé de désenfoutement. Ça va beaucoup aider pour son ventre. C'est quelqu'un de très généreux, mais je pense qu'il a aidé des gens. On a pris son argent pour aller travailler sur lui, pour le bloquer. Ouais, il doit encore faire une formation. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il veut faire en ligne. Je vois qu'il doit faire des ventes. Il doit vendre ses produits sur les réseaux sociaux. Et il doit arrêter d'essayer de sauver les gens parce que c'est comme si c'est par là qu'on le tire beaucoup. Oui. Il doit travailler sur lui aussi. Je crois qu'il n'est pas discipliné dans ses bains. Il est très manipulé par un esprit pour l'instant. Ouais, très. Donc, il faut un rituel de détachement à distance. S'il prend le kit de désenvoûtement ou le thé de désenvoûtement, ça va aider. Le thé de désenvoûtement aide si peut-être tu fumes beaucoup la cigarette, tu bois beaucoup, il y a un mauvais truc dans ton ventre, ça aide pour ça. Donc, tu n'as pas la volonté, ou bien si tu te masturbes, tu prends le thé de désenvoûtement avec la poudre jaune. Ça va aider. Voilà. Et il y a aussi sa voix qu'on a bloquée pour qu'il ne parle pas. Peut-être il accepte les injustices sans se défendre. Donc, c'est censé aider dans ce sens-là. Il n'a pas aucun désenvoûtement et les rituels dont j'ai parlé. Il doit aussi... il doit repartir dans une formation. Je ne sais pas, il y a peut-être une formation qu'il doit faire. Bonjour. Bonjour, monsieur Traoré. Ok. Je ne sais pas qui vous a trompé, mais ça vous a affecté. Ça vous a affecté. Et vous êtes peut-être censé être un formateur. Ok? Et cette tromperie, vous culpabilisez beaucoup. Et ça bloque vos dons spirituels. On me dit, le cœur ne doit pas... Votre cœur ne doit pas vous contrôler. Vous devez contrôler le cœur. Voilà. Et vous devez beaucoup suivre... suivez votre instinct. Vous êtes très en retard par rapport à beaucoup de choses que vous êtes censé faire. Et dans votre famille, vous êtes l'une des personnes qui est censée sortir les autres de leur trou. Votre œil est en train de s'ouvrir aussi. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Donc, vous allez peut-être être très attiré par la spiritualité. Vous allez avoir l'impression que vous avez vécu des scènes avant. Voilà. Et voilà, vous êtes en plein éveil. J'ai carrément trois cartes qui me montrent la même chose. Vous êtes en plein éveil. Demandez les formations. J'ai les formations spirituelles qui commenceront en fin de mois d'août. Il y en a sur Abidjan aussi, vous pouvez venir sur place ou bien à distance. Prenez ces formations-là, ça va beaucoup vous aider. Et vous avez passé beaucoup de temps seul. Vous devez écrire des manuscrits, donc ça doit faire partie de ce que vous devez faire. Oui, prenez un kit fondation et achetez un bâton de commandement de lion. Et vous commandez aussi une bague de lion. Voilà, je ferme votre lecture. Kit fondation aussi. Monsieur S. Monsieur Selou, venez s'il vous plaît. Moi, je ne fais pas faire ça. Tu veux, hein? Je dois faire ça. Diminuez ce que vous devez. Vous me dites combien vous devez vous déposer ici. Allez-y. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'imagine ça fait 5 millions. Oui. 1000. Millions. Ben, donnez 5 millions, ça ne me dérange pas. Vous devez. Je ne connais même plus. Calculez. Bon, déposez à vos 1000 francs ici. Bon, on continue les lectures. Je redonne comment payer par PayPal, s'il vous plaît. Je m'excuse, hein, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais je dois continuer les lectures. PayPal, Aurélie Michel, prenez de quoi noter. A-U-R-E-L-I-E, Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017. Vous devez ajouter 2017 dessus, sinon ça ne marche pas. @gmail.com. C'est toi qui t'apporte mon direct. Aurélie Michel 2017@gmail.com. Donc A-U-R-E L-I-E Michel M-I-C-H-E-L-L-E 2017@gmail.com. Ça va s'afficher en pound, en livre sterling. Voilà. Le numéro pour Abidjan. Plus 237. Non, 225, désolé. Plus 225.
0779 0 dans 0779 02 52 05. Ça c'est pour Abidjan. Le numéro Move. Donc tu penses qu'on va porter comme ça, te donner, tu vas partir avec toi aussi. Hein? Homme là, vous-même là, vous pensez que quoi? Le principal de quelle école, ma chérie? Le numéro pour Abidjan, 0779-0252-05. Le numéro Move, si vous êtes au Togo, au Bénin, 225-01-50-27-71-71. Tu as payé, tu n'as pas pu entendre le numéro pour Abidjan. 0779 02 52 05. Quand vous finissez de payer sur le WhatsApp là, vous envoyez le message. Et vous envoyez votre photo. On va me donner ça là, 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 je vais vous lire. Donc, j'ai donné au PayPal, j'ai donné Orange Money du Cameroun, 237 693 50 22 66. MTN du Cameroun, 237-680-71-07-01. 680-71-07-01. Ça, c'est au Cameroun. Si vous êtes au Gabon, 074-18-0080. Gabon, 074-18-0080. Si vous êtes au Burkina, payez sur le numéro Wave de la Côte d'Ivoire. Le Burkina, c'est 66 16 84 84, je pense. Attendez, je confirme. Le numéro du Burkina. 66 16 84 84. Ça, c'est pour le Burkina. Bon, je continue les lectures. Tu dois, à part ce que tu fais dans la vie, tu dois être investi dans le caritatif. C'est un peu comme ça va ouvrir tes portes, ça va te déchaîner, ça va te déchaîner. Tu te sens enchaîné, ça va te déchaîner. Tu as les dons de guérison. Tes mains portent, tu as les dons de guérison. Et le caritatif va beaucoup accélérer ça. Tu es censé faire tes papiers pour voyager à un certain moment. Canada, États-Unis, un des deux. Tu as pensé, mais tu sais que ça confirme déplacement. Tu dois voyager. Tu le savais, mais à un moment, tu as commencé. Après, tu as dit, bon, c'est pas, peut-être pas pour moi. Tu as beaucoup d'attaches d'âme, donc des personnes avec qui tu as des liens. Ces personnes pensent que tu leur as fait du mal, mais elles ne veulent pas te libérer, te lâcher. Donc, toi aussi, tu dois pardonner. S'il y a des gens à qui tu n'as pas pardonné, tu pardonnes, tu les libères. Et elles aussi, elles pardonnent et te libèrent. Peut-être tu as une ex qui vous a fait du mal. Il faut que vous la libériez de votre cœur. Il y a des contrats d'âme. Il y a des personnes à qui vous pensez. Vous êtes encore lié à certaines personnes. Donc, il y a un rituel qu'on appelle corde-côte. Il faut qu'on vous fasse ce rituel-là. Pour couper les cordes. Vous êtes en pleine renaissance. C'est un peu comme si le travail spirituel que vous avez fait récemment sur vous, les jeunes et tout ça, là, ça a provoqué quelque chose dans votre énergie, dans votre aura. Et vous êtes un ange de la terre. Donc, vous êtes censé aider les gens. Et vous êtes épuisé parce que vous aidez les mauvaises personnes. Il y a une sorte de burn-out. Les mauvaises personnes tiennent. Et vous n'êtes pas très constant dans votre travail spirituel. C'est ce qui vous affaiblit. Voilà. Demandez un rituel de protection avec un rituel pour couper les cordes. Voilà. Donc, je ferme cette lecture. Je prends la prochaine personne. Donc, merci. Ok. Je vais prendre... Ok. Cette dame. Salut. Si tu es au Togo, tu envoies au numéro de la Côte d'Ivoire 225 01 50 27 71 71. Tu envoies 22 000. Là, c'est un numéro Move.
Donc, on va voir ce qu'il y a pour toi, Carole. Tu es très haut placé dans le spirituel. Tu es quelqu'un qui ne supplie pas, tu ne demandes pas. Généralement, tu attires beaucoup à toi parce que tu as une énergie de déesse qui fait que... Mais on montre aussi que quand tu te laisses influencer par les gens de ton entourage, c'est un peu comme si ça fuit. Tu peux rester, tu dis que j'ai besoin de ça. Dans la journée, la personne vient ou la chose vient. C'est ce pouvoir que tu as. Et on me dit, ne t'inquiète pas, tu n'es pas comme les gens de ton entourage. Donc, ne te dis pas, oh, j'ai besoin de ça. Il faut que... Non, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de compliqué pour avoir. Voilà, dans ton aura, naturellement, tu attires beaucoup. What the fuck? On montre que tu attires beaucoup. Moi, tu l'as demandé, on doit te lancer une poule et on doit te faire un sacrifice de coq. Oui. Tu l'as demandé un rituel de retour à l'envoyeur aussi. Tu es celle qui va briser les malédictions de ta famille. Donc, on me dit la première qui va voyager, la première qui va être riche, la première qui va... Il y a beaucoup de choses que tu seras la première à ouvrir les portes. Oui. Dans ta famille. On va essayer de te décourager, de te fatiguer. Pour un moment, essaye de ne pas chercher à attirer ta famille pour qu'ils montent. Ta vraie tribu, ta vraie famille est là dehors. Ce n'est pas que tu négliges ta famille, quoi que ce soit, mais suis plus ton intuition. Voilà. Et la solitude, tu devrais être appelé à couper certaines personnes de ton entourage. Voilà. Et tu dois garder la foi. Ce pouvoir d'attraction-là, ça va beaucoup... ça va attirer les gens à toi. À un moment, tu as de grands contrats avec de grandes boîtes. Tu seras même connecté à la présidence de ton pays, des choses comme ça. Dorian, si tu as payé, tu payes. On te met dans la liste, je vais te lire. Donc, tu dois prendre un rituel de détachement et une protection astrale. Et tu demandes un kit fondation aussi. Tu as commencé à te laver avec le sel et tu as été retenu pour un poste. Ça, c'est super. L'entretien, ce sera Wednesday. Ça veut dire quoi? Carlos, je n'étais pas lu, papa. Tu as compris. Toutes personnes que j'ai lues, je les ai lues en inbox. Ta part que j'ai fait, j'ai envoyé le voice. Sawa. Je ne te vois pas dans la liste. J'ai demandé que si tu demandes qu'on te remette, je vais te relire, non. Écris. Tu écris aux jeunes filles avant de te remettre ici. Ah, c'est toi qui as payé le seul chance rapide à Ouaga. Quand tu vas obtenir le boulot, il faut souvent payer ta dîme. Il faut souvent payer. Si tu ne peux pas payer, il n'y a pas de souci. Donc, on va lire ce monsieur. Ok. Il y a beaucoup de projets que vous avez commencé qui paraissaient... on me dit de vous dire de ne pas vous affoler. C'est un peu comme si ces derniers jours, certains projets ont voulu chuter et vous avez paniqué. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Vous devez purifier votre maison. Purifier votre maison. On va beaucoup vous parler dans les rêves aussi. Oui. Et vous avez des dons de guérison avec des mains. Peut-être vous devriez faire ma soeur ou bien quelque chose comme ça. Il y a des personnes aussi que vous devez libérer de votre esprit. Donc, apparemment, vous leur en voulez. Vous devez faire des vidéos, vendre sur des vidéos, des réseaux sociaux peut-être. Et vous êtes quelqu'un que vous... Normalement, si vous écoutez votre intuition, vous agissez sur vos idées, ça va donner beaucoup d'argent. Mais vous avez tendance à toujours, en anglais on dit second guess, vous laissez quelqu'un d'autre venir vous dire ce que vous devez faire. Et ça, ça vous affaiblit. Voilà, demandez un rituel de protection. Prenez la sauge et un kit maison hantée et un kit fondation. Voilà les deux kits qu'il vous faut en une fois. Et vous demandez la formation spirituelle niveau 1 et niveau 2. Voilà. Come away with me. Donc, on va lire la petite fille, Estelle. Qu'est-ce que vous avez pour cet enfant?
07. Cet enfant est très haut placé dans le spirituel, mais ce que sa mère a à faire dans sa vie est très important. Parce que ça va sauver ou ça va construire ou détruire cet enfant. On va dire comme ça. Oui, il faut faire un rituel de retour à l'envoyeur sur l'enfant et sur la mère. Waouh, c'est un enfant de l'eau. Demandez un rituel d'offrande à l'eau pour la maman et l'enfant. J'ai l'impression que vos destinées sont liées, maman et l'enfant. Oui, et la fille, cette jeune fille que je lis. Dans une ancienne vie, vous étiez, vous vous connaissiez déjà. Oui, cet enfant est censé diriger, mais elle a besoin de la présence de sa mère. Oui, pour que sa maman, il y a des pouvoirs que maman va lui passer, des choses comme ça. Oui, elle sera aussi dans le business. Elle a beaucoup, elle a la main du business. Et il faut, à l'école aussi, elle doit beaucoup pousser les études. Faire peut-être ingénierie. Mettez-lui de blindage dans son huile. Ouais, non, elle aura beaucoup d'attaques mentales, peut-être elle aura des tentations de ne pas finir l'école. Donc j'ai parlé d'offrande à l'eau pour l'enfant. Et il y a des lavages qu'on va faire en promotion pour les enfants aussi le week-end. Vous pouvez payer ça pour la rentrée pour elle. Mais les études ne sont pas gratuites. Nélas, vous salue, je ne peux pas t'aider. Toi, tu as une énergie où tu dois d'abord prendre les produits que tu utilises d'abord. Et un esprit de rejet très prononcé sur toi qui fait que tes choses. Je vous éclaire dans la musique comment, mon frère. Je finis le direct, je fais le paiement parce que le téléphone que je disais pouvait être transfert. Je suis en direct avec ce téléphone. Numéro de la Côte d'Ivoire, 0779 02 52 05. Je répète, 0779 02 52 05. Oui. J'ai reçu, c'est moi qui ai écrit reçu. Ok. C'est ça, 02-5205. Merci Nancy. Bon. Il y a cette dame qui a payé. Yolande. Salut Yolande. Tu dois beaucoup faire du caritatif. Parfois, on achète sa tête en aidant les gens. Parfois, pour acheter ta tête, tu aides les gens. Et tu es une personne que tu dois beaucoup aider ton entourage. Mais il faut d'abord que toi, tu te délivres, tu te libères. Ok? Tu es aussi tu es un très grand architecte. Tu planifies bien tes choses, tu connais ce que tu veux. Mais très souvent, c'est des mensonges, les fausses promesses des gens qui t'ont découragé. Oui. Tu as voulu
changé de voie dans le passé, tu as hésité. Mais là, il faut que tu le fasses. Et tu dois arrêter de douter de toi. Je vois un peu le manque de confiance en toi. Ta bouche est ta puissance. Dans le spirituel, tu l'as beaucoup. Quand tu fais des jeûnes, mets ta famille là-dedans. Ça va beaucoup les aider. Oui. Tu as aussi le don de guérison. Avec les mains et la bouche. Et tu as... ton travail spirituel, parfois tu le fais, parfois tu le fais pas. Un peu ça. Faut que tu sois un peu plus décisive et disciplinée. Je vois qu'on t'a beaucoup trompé. Ça t'a fait mal. Tu vois beaucoup de blessures dans ton intérieur. En aidant les autres, ça va te penser les blessures. Oui. Donc, demande un kit désenvoûtement surtout. Un rituel de protection aussi. Ceux qui payent maintenant, je vous lis maintenant. Il y a une liste d'attente. Donc, je suis en train de remonter progressivement et lis ces personnes aussi. Salut. Je ne sais pas si tu as eu un père qui était militaire ou enseignant, mais tu as eu une enfance un peu très rigoureuse. Et actuellement, ça impacte parce que tu veux faire le business. Tu veux vraiment te lancer à ton compte, mais la peur qu'on t'a mis dans l'enfance te bloque énormément. Pourtant, au moment où tu dois changer de voie, tu dois te lancer. Tu sais ce que tu dois faire, mais cette peur t'épuise en fait. Ça te suce ton énergie. Voilà, tu dois mettre ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Ne t'inquiète pas de ta famille. Qu'est-ce que ma famille va dire? On me dit, ne t'inquiète pas de cela. Oui. Et tu dois être leader dans ton domaine aussi. Je vois beaucoup d'attaques mentales. Genre, tu n'es pas... c'est la seule issue qu'ils ont actuellement, la seule voie par laquelle ils t'attaquent, la voie mentale. Donc, protège beaucoup ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. Oui. Tu as du sang ancien, c'est-à-dire tu es une vieille âme. Mais dans cette vie-ci, tu dois absolument te libérer rapidement. Sinon, tu vas peut-être, tu devras revenir encore. Tu devras te réincarner. Oui, tu es très spirituel. Tu es un être de lumière. Et voilà. Demande. Je sais que vous venez lire les cartes. On vous lit les cartes. Après, vous ne travaillez pas sur vous. C'est votre problème. Demande un rituel de détachement. On va t'aider. Parce que je sens beaucoup comme si tes finances sont attachées. Et un lavage de prospérité. Tu commences par ça. Demandez les visages des gens, s'il vous plaît. Quand vous avez voyez les photos de loin, là, ne venez pas me déranger. Côte d'Ivoire, c'est 22 000. Consultation, c'est sur le numéro d'Abidjan. 07 79 02 52 05. Tu payes pour la lecture, juste je te fais un voice, je t'envoie. Burkina, c'est 22 000, chérie. Salut, ma chérie. Tu es un ange de lumière. Le blanc est l'une de tes couleurs spirituelles. Donc, si tu peux dormir sur le blanc, c'est super aussi. Tu es censé être à ton compte. Donc, j'espère que tu as des activités que tu mènes quand même de côté. Je vois une prison. On montre une prison. Un peu comme si on a emprisonné tes dons. Donc, demande une offrande à l'eau pour réactiver tes pouvoirs. Oui. Tu es une sorte de guide pour les gens. Et tu as fait la formation spirituelle normalement en septembre. J'ai un peu l'impression que tu as souvent des flashs de ce que tu dois faire. Tu fais, mais après tu es buté.
Donc, il y a une sorte de joug qu'on a mis sur toi quand tu étais petite. C'est, il me montre énormément cela. J'ai trois cartes qui ne parlent que de ça. Les imprévus que tu as, c'est généralement parce que tu ne t'écoutes pas bien jusqu'au bout. Voilà. D'ailleurs, voilà que tu te reconnectes beaucoup à tes guides. Dans le spirituel, tu es la fille d'un roi. Tu es une princesse. Donc, le monde d'où tu sors, tu es une princesse. Travaille beaucoup avec les bougies. Il faut demander le kit sirène qu'on va sortir bientôt. Un kit sirène qui va sortir. Voilà. Tu es très haut placé dans le spirituel. Donc, prends sur toi chaque mois de mettre quelque chose de côté pour les orphelins. Le caritatif va beaucoup. C'est comme si dans ton ancienne vie en tant que princesse, tu aidais, tu avais beaucoup de personnes qui dépendaient de toi. Il va falloir que tu restaures ça dans cette vie. Oui. Donc, demande un lavage prospérité et un rituel de détachement. Un lavage ou déblocage aussi. Et une offrande à l'eau. J'ai beaucoup de travaux que je dois faire sur toi avant que tu utilises même mes produits physiques. Mais voilà, ça c'est mieux. C'est mieux. Ça me facilite la lecture. Ok. On a bloqué ta gorge. Tu es issu d'une famille où, si ça ne dépendait que de ce que ta mère, même, on a beaucoup maltraité ta mère, on a beaucoup simplifié ta mère. Donc, tu as un héritage spirituel très bas, on va dire. Tu dois guérir de ces traumatismes d'enfance. Tu as peut-être des entreprises que tu dois créer. Tu vois la promotion aussi qui arrive. Il y a des choses que tu auras des opportunités financières qui vont se pointer. Et tu dois être sur les réseaux sociaux. Tu dois faire. Ton business doit être sur les réseaux sociaux. Voilà. On me ramène aussi sur le caritatif chez toi. Beaucoup d'attaques mentales. On va vouloir jouer sur ton mental pour que ce que tu veux faire, que ça ne. Tu penses à quelque chose, tu commences à faire, après ça ne donne plus. Voilà. Donc beaucoup d'attaques mentales. Beaucoup de doutes. Tu as beaucoup d'ennemis. Et ton premier ennemi, dans le spirituel, le diable ne t'aime pas beaucoup. Le diable n'aime personne. Mais je peux dire qu'il est personnellement sur toi. Parce qu'il sait que si tu es bien, tu vas aider beaucoup de personnes. Voilà. Donc, on a aussi travaillé sur toi négativement, de telle façon que tu fais beaucoup d'efforts pour avoir un peu d'argent. Mm-hmm. Donc, ton œil, ton troisième œil, donc ton œil pour voir dans le spirituel est en train de s'ouvrir. Demande ta poitrine. Je ne sais pas, il y a un truc dans ta poitrine. Prends le kit de désenvoûtement parce qu'il y a dedans un thé qui va, tu vas boire, ça va libérer tes poumons. Oui, tu vois un peu comme si on t'a attaché dans ce sens-là. Et tu dois te libérer. Il y a des personnes qui dépendent de toi financièrement et qui te sucent en fait. Oui, tu ne dois pas aider les gens n'importe comment. Mm-hmm. L'huile de blindage, tu dois beaucoup le mettre sur ta tête. Prends une grande boîte ou un de beaucoup sur ta tête, ça va t'aider. Oui. Fondation. Salut. Nathaniel Johan, tu es au boulot, tu m'écoutes. Salut. Cette dame. Elle a beaucoup. La main du business chez elle passe beaucoup. Oui. Malheureusement, en amour, on la trompe beaucoup. Soit elle a des collaborateurs qui arrivent, ils voient comment elle a facilement et on veut l'exploiter. On veut beaucoup l'exploiter. Ils ont eu accès à elle parce qu'elle ne travaille pas beaucoup sur elle. Et elle a une voix. Elle a une voix. Quand elle parle, tu peux acheter n'importe quoi qu'elle te vend. On insiste beaucoup sur sa voix. Je vois la richesse. Tu es censé être très riche, ma chérie. L'argent est censé beaucoup couler de ce que tu fais. Donc, si tu travailles pour quelqu'un ou avec quelqu'un, mets-toi à ton compte. Parce que tes idées sont très exploitées et tu n'as pas assez de... Enfin, on te donne pas ce qui en découle. Tu es une personne choisie. On appelle ça Indigo Children. Ton ADN est en train de s'activer. Progressivement, on va te montrer, dans des rêves, des visions, qui tu es. Voilà. Travaille fidèlement sur toi. Prends un kit de blocage, tu utilises. Et tu dois... À un moment, tu pourras enseigner même à d'autres personnes. Ouais, tu as le don de l'enseignement. Peut-être des formations, tu vas peut-être faire des formations. Tu vas offrir des formations aux gens. Donc, demande aussi un sacrifice de coq. On en a en promotion actuellement, c'est 100 000 francs. Et il faudra venir, je te fais un soin physique sur Abidjan. Donc, un soin spirituel.
Thank you, Queen Viviane. Nathaniel qui travaille. Ok, Nella, je dois t'avoir lu déjà. Je suis en train de lire. Ceux qui sont en train d'envoyer le nom maintenant. Si vous avez déjà payé, rappelez-nous, on va mettre votre nom. Je vais le refaire. Donc, je vais dire ce qui se passe pour ce jeune homme. Peut-être qu'il y a des soucis avec son père à la naissance. Les circonstances autour de sa naissance n'étaient pas très... Je crois qu'il y a des personnes qui ont souffert. Il y a des paroles qui ont été prononcées pour bloquer cet enfant. Malheureusement, voilà. Donc, il va falloir annuler cela. C'est un enfant qui a beaucoup de protection autour de lui. Il ne doit pas trop s'entourer de beaucoup de jeunes parce que ça va le distraire. Donc, il va falloir qu'on fasse un rituel de désenvoûtement. Parce qu'il y a vraiment un truc qui a... Et c'est un enfant qui est censé être connu aussi sur les réseaux. Peut-être qu'il aime beaucoup faire les vidéos, mais on refuse qu'il le fasse. Ok. Un autre rituel de retour à l'envoyeur aussi pour lui. Il faut faire ses papiers. Je crois qu'il doit partir en Europe ou bien... S'il est déjà en Europe, il y a peut-être sa nationalité. Et c'est quelqu'un qui est censé beaucoup voyager. Dans son aura, finalement, maman, tu dois lui dire que le voyage, c'est l'une des choses qui va le connecter beaucoup à sa destinée. Voilà. Il faut faire un lavage de rentrée scolaire pour lui. Ça va beaucoup aider. Il est censé être riche. Et il a aussi des dons de guérison dans les mains. Aziz, si rien ne va dans ta vie, lave-toi au sel d'abord. Dorcas, écris-moi sur mon numéro privé. Dorcas, si tu entends demander à mes secrétaires qu'on te mette dans la liste. Écris sur mon numéro privé. Le numéro du Burkina, je l'ai déjà donné. 66 16 84 84. Tu écris, tu demandes d'abord. Tu l'appelles, tu le demandes. Un numéro français, Nella, non, pas pour le moment. Très bientôt. Tout, c'est l'énergie. Tu sais, cet homme que j'ai pas lu les gens depuis. Deuxièmement, la dernière fois qu'on s'est vu pour le Quantum Libre, je t'ai dit que tu as des attaques. Je t'ai dit. Je crois que tu dois me faire partie des personnes qui doivent faire le sacrifice de coq samedi là. Il y a des périodes où vous avez des attaques. Si tu ne tiens pas compte de ça, vous devez être très sensible à votre truc. Très. Tu payes pour les cartes, j'ai dû comme ça avant de te lire. Ça veut dire qu'il y a un truc, il y a quelque chose. Et quand on s'est vu l'autre jour, je t'ai dit ça. Donc, il y a des papiers que tu vas... il y a une documentation que tu vas faire qui va marcher. On me parle encore d'aider les autres. Aider les autres. Tu sais que tu vas me commencer. Tu m'as parlé l'autre jour de parrainer un enfant. Deux enfants dans l'orphelinat. On insiste que tu as des papiers que tu attends qui vont sortir. Ils donnent ça deux fois comme message. Donc là, tu es... Et il y a aussi des fausses promesses qui sont en train d'affaiblir ton esprit.
Et tu vas aussi, c'est comme si tu as un peu relâché ton travail spirituel. Je te dis ce que je vois. Hein. Tu vas aussi avoir une élévation financière. Je vois aussi un burn-out. Est-ce que... Monsieur S, pardon, allumez là-bas, allumez le truc et puis vous ouvrez ici. J'ai un peu chaud. Allumez, non. Appuyez là-bas au mur. C'est pas avec la télécommande. Merci. Donc, je vois aussi comme son nom était fatigué. Si tu as peut-être eu beaucoup de bagarres dans tes rêves ou un truc comme ça. Donc, on montre que l'argent arrive, l'argent. Et tu as des dons de guérison dans les mains qui sont en train de s'activer. En fait, on est en train d'activer certains pouvoirs dans ton corps. Donc, il va falloir que tu te prépares. Et la marche spirituelle n'est pas droite, elle n'est pas linéaire. Il y a des moments où tu montes énergétiquement, après tu descends énergétiquement. Tu dois savoir détecter tes moments bas pour ne pas rester en bas. Voilà. Tu dois faire le sacrifice de coq encore. Et il faut noter tes rêves. Maman va te donner beaucoup de messages dans les rêves. Bonjour à Sam de la Côte d'Ivoire. Salut Jennifer. Jennifer. Ok. Tu as. On montre que tu vas réussir financièrement. Donc, il y a les papiers que tu dois faire peut-être pour voyager. Tu hésitais ou bien c'est tes parents qui hésitaient. Il faut faire. Tu es censé voyager. Tu dois continuer l'école. Donc, n'arrête pas l'école très tôt. Tu dois continuer. Tu es un ange terrestre, il y a des personnes que tu es censé aider. Et ton argent aussi doit venir de plusieurs devises, de plusieurs pays. Tu dois apprendre quelque chose qui a un trait avec l'ordinateur, les réseaux sociaux ou bien l'infographie. Voilà. Ou informatique. C'est là-bas que ton argent va se développer. Après, tu seras tu es un peu comme un manager. Tu es appelé à diriger d'autres personnes. Et garde tes principes, garde tes valeurs intègres. Et tu es aussi quelqu'un que les gens voudront te suivre parce que tu as une vision très développée. Oui, quand tu planifies les choses, ça marche. Maintenant, tu as un problème de confiance en soi parce que l'ennemi veut que tu doutes de toi, que tu dis, oh, je suis trop jeune, je suis trop petite. Et voilà. Donc, les finances pour faire ce que tu veux faire viendront toujours. Que tu ne doutes pas de cela. Donc, demande un kit fondation et un rituel pour couper les cordes parce que tu as beaucoup d'attaches avec ta famille. Comme si ton identité spirituelle actuellement est encore attachée à la leur. Et ça te ralentit. On a aussi un kit. J'ai mal parlé de kit fondation, je pense, oui. Donc, on va voir ce qu'il y a pour cet enfant. C'est un enfant très beau. Quand il sera grand, il aura beaucoup de femmes qui voudront le conquérir. Y a des secrets qu'il va découvrir. Genre, il y a des choses qui vont se passer et cet enfant va. C'est comme si il va découvrir des secrets concernant sa naissance. Je ne vais pas dire, mais c'est un peu comme si sa vraie identité. Oh my goodness. C'est comme si sa mère n'a pas dit à son vrai père que c'est lui l'enfant. Un truc comme ça. Il y a un problème d'identité à la naissance de cet enfant. Soit pour enregistrer son acte de naissance, il y avait des problèmes. Et dans le spirituel, ça a un peu bloqué l'aura de cet enfant. Donc, si maman, si c'est toi qui as demandé la lecture de cet enfant et que son père ne connaît pas son existence, ils ont besoin d'être reconnectés. Au moins qu'il ait un problème d'identité à la racine. Voilà. C'est un enfant qui aimera beaucoup être seul parfois. Il aimera être seul. Voilà. Il faudra le laisser. Parce que ça va, c'est là qu'il peut écouter ses guides. Et voilà. Deux cartes qui me parlent de la solitude de l'enfant. C'est pas mauvais. Voilà. Et il sera aussi très réfléchi. C'est un enfant qui va beaucoup voyager. C'est un enfant que maman n'essaye pas de le contrôler. À un moment, il saura ce qu'il veut faire. Il va créer des entreprises, des business. Oui. Il faut que tu travailles. Il est censé être connu sur la toile carrément, sur les réseaux sociaux. Donc, s'il trouve le moyen de faire son album pour qu'il chante ou un truc comme ça, fais-le. Oui. Il a aussi beaucoup traversé beaucoup de. Dark Knight of the Soul.
Le concernant, à un moment, il aura des dépressions. C'est pour ça que maman doit travailler en avance pour préparer son chemin. Voilà. Cet enfant en particulier, maman, il y a encore des choses à faire sur lui. Vraiment. Demande un rituel. On lance la poule pour lui. On doit absolument trouver ça. J'espère qu'il est connecté à sa famille paternelle. Il y a des bénédictions là-bas qu'on doit prendre pour lui. Donc, ne l'empêche pas de se connecter à ce côté-là. Bon, il est encore tout jeune, mais ne le coupe pas de là. Mm-hmm. Si sa grand-mère est encore vivante, grand-mère paternelle, envoie-lui un présent. Tu dis que c'est pour l'enfant. Voilà. Salut Renaud. Mes lectures sont payantes. Ok. Alassane de Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis en Côte d'Ivoire. Salut. Tu es à ta, on va dire quoi, 10e ou 90e réincarnation. Il y a des choses que tu as très vite assimilées dans cette vie parce que dans les vies précédentes, tu avais déjà commencé. Ouais, tu as une ancienne âme. Et tu es en plein éveil. Tu es très souvent incomprise dans ta famille. Tu as atterri dans ta famille, pas vraiment. C'était un peu le fait du hasard. Mais tu n'es pas très, très liée à eux. Demande un rituel de protection. Tu es censé être connu. Et tu dois te former sur les trucs comme le Reiki. Parce que tu as des dons spirituels. C'est un peu comme si dans cette vie, tu es venu pour vivre ta spiritualité plus tôt que d'habitude. Oui. Et tu as beaucoup des opportunités. On est en plein, c'est l'ère du Verseau. Les connaissances sont partout dehors. Donc, et tu dois carrément en faire un business après. Tu dois soigner les gens. Sinon, toute autre chose que tu feras, tu vas un peu galérer, quoi. Tu vas ramer avant que ça te donne quelque chose. Oui. Ton éveil, c'est maintenant. Donc, profites-en. Demande un lavage de prospérité, un kit sirène, un rituel de détachement. Et tu prends un kit désenvoûtement et kit célébrité après. Voilà. Parfois qu'on parle comme ça, vous n'écoutez pas. Tant mieux pour vous. C'est 22 035 €. Monsieur S, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une crème ici. C'est dans une boîte comme les boîtes qu'on a achetées là. Avec couvercle blanc. Ça s'appelle Illumine ma vie. Regardez un peu si c'est pas sur l'étagère. Une crème blanche illumine ma vie. Non, ça c'est celle même percée. Oui, mais c'est une crème à l'intérieur. J'en ai besoin. Mon corps réclame ça. Regardez alors dans les boîtes ici, dans les cartons là-bas. Il y a les crèmes pour les sirènes. Je n'ai pas encore fait les publicités, mais j'en ai conçu. Vous savez que votre corps se nourrit, non? Vous ne voyez pas? Yeah, Seigneur, j'ai tout amené au magasin. La crème là s'appelle Illumine ma vie. Transparente, comme le savon noir que vous avez vu là. C'est une boîte comme ça, mais un peu plus longue. Oui, faites voir. Oui, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Oh, Seigneur. Les sirènes, écoutez-moi, je ne peux pas, ils me harcèlent pour que je crée ces produits. Les sirènes ont constamment besoin d'hydrater leurs mains et leurs pieds. Et c'est comme un rituel. Si vous savez ce que ça fait à mon corps, là, c'est comme si ma langue, c'est comme si je mangeais. I'm not joking. Oh my God. Pardon? Pourquoi? Non, c'est pas grave.
Demander la crème illumine ma vie. Il n'y a que ça à Abidjan pour le moment. Je vais en faire au Cameroun. Oh my goodness. C'est comme si je mettais l'huile dans le moteur de la voiture. Je sais pas ce que je peux vous dire. Faites beaucoup de bains de pieds avec du sel et mettez cette crème sur vos pieds. J'arrive pas à croire que c'est moi qui ai conçu ça. Moi-même, j'ai même pas. Au Cameroun, ils n'ont même pas encore la photo. C'est pas encore en ligne. Je crois qu'un tube comme ça, plein, c'est 30 000. Donc, je vais mettre une huile qui va accompagner. Une huile comme ça. Une huile claire et ça. Attendez, excusez-moi. Il n'y a que les reines qui peuvent comprendre. Surtout celles dont la queue a déjà été activée. Le numéro WhatsApp, c'est dans ma bio. 237-680-71-07-020. Tu sors de l'eau, tu te transformes comme la petite sirène qu'on regardait dans le film. Tes pieds ont besoin de soin. Maintenant que nous avons mangé, ça c'était un repas pour moi. Continuons. Isabelle qui te suivent, je ne sais pas. Je saurais te dire. C'est toi qu'on suit, non? Le colis n'est pas encore arrivé. On a changé de. Et ça n'a pas tout été pris en charge? Pas encore. Mais tant mieux qu'on envoie quelqu'un chercher. On va y aller. Et là, il est combien, ça a combien de temps maintenant? Je vous ai donné l'importance de ce colis. Mais vous allez chercher? Oh, mais je vous ai pas informé moi de tout ça. On commence à parler que 3 heures de temps pour qu'on trouve. Non, c'est trop. Oh. Vous-même, là, quand vous avez les imprévus, signalez. Non, je n'achète plus. On va acheter un autre Moulinex, pardon. J'étais ça, pardon.
Allô? Oui, ton livreur a dit quoi? Mais toi, tu m'as dit que tu avais un livreur là-bas, non? Ah, c'est beaucoup, c'est normal. Et tu aurais pu mettre deux. Et c'est venu alors? Ok, merci. À tout à l'heure. J'essaie de voir, je retrouve les lectures qu'on continue. C'est maintenant qu'on te met dans le groupe. Ciao. Vous-même là, vous avez les freins sur vos choses. Hein. Salut, monsieur Eugène. Ciao. Vous-même là, quand vous ralentissez vos choses sont ralenties, ça ne vous dit rien. Ça fait 45 minutes que vous êtes dans mon direct de cri pour que je vous dise. Et maintenant que votre nom arrive. Oh. Apparemment, vous ne travaillez pas sur vous. Vous avez beaucoup de jalousie autour de vous. Les gens, il y a des gens qui voient ce que vous êtes censé devenir et qui sont jaloux de vous. Et vous-même, vous ne travaillez pas sur vous, pas de protection. Vous êtes quelqu'un, vous aimez apprendre, vous aimez connaître plus de la vie, qui vous êtes, pourquoi vous êtes né. Vous avez plusieurs vies anciennes. On me dit de vous dire de formuler ce que vous voulez. N'ayez pas peur de demander. Ce que vous demandez, ça va se réaliser. Faites beaucoup le chapelet. Quand vous priez, mettez beaucoup Jésus devant vos choses. L'un de vos plus grands protecteurs dans le spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, purifiez votre maison. Mais je vois aussi la richesse, beaucoup d'argent qui arrive. Et vous êtes un ange. Vous êtes censé aider beaucoup de personnes. Donc, si dans votre quotidien, vous n'aidez pas les gens, ça ne va pas aller. Aidez les gens. Ça va couvrir le mauvais œil, la jalousie. Prenez un bracelet mauvais contre le mauvais œil. Un bracelet contre, un bracelet œil de tigre. Oui. Et demandez un collier de tourmaline. Oui. Achetez beaucoup de vêtements spirituels, comme le ndop, des choses comme ça. Dieu est capable de tout. Ok. Si tu es en réunion, si tu as PayPal, je peux peut-être à travers PayPal, oui. Son âge, sa jeunesse ne joue pas à son avantage. Parce qu'il est très. il est jalousé par les personnes qu'il voit. C'est quelqu'un de très courageux. Il a commencé très tôt beaucoup de choses. Je le vois peut-être en tant que gérant des pages d'autres personnes. Oui. Et on a aussi travaillé de telle façon qu'il est censé beaucoup galérer avant d'avoir de l'argent qui vient vers lui. Donc, il travaille beaucoup pour avoir un peu d'argent. Ça, c'est quelque chose à enlever. Mais pourtant, il est censé prospérer dans le business. Beaucoup de manque de confiance en soi aussi. Et... manque de confiance en soi, beaucoup d'interférences. Donc, s'il prévoit quelque chose, on dit, oh, je vais te donner l'argent demain, en route, quelque chose se passe. Trop d'interférences dans sa destinée, des interférences négatives. Donc, il va faire un rituel de protection. Et il est en activation actuellement. Donc, qu'il le veuille ou pas, il est en train d'être activé, quoi. Oui. Beaucoup d'ennemis, beaucoup de personnes qui ont check ses statuts, on veut voir où il est, on veut savoir ce qu'il fait.
des choses comme ça. Il va falloir qu'il soit très vigilant. Il va demander un rituel. On lance une poule pour lui et puis on lui fait un coq à distance. Et il prend le kit fondation. Donc, je vais lire Monsieur Ma. Vous êtes censé beaucoup voyager, vous déplacer. On a beaucoup utilisé. Vous êtes très spirituel et depuis que vous êtes très jeune, vous connaissez ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire. Voilà. Par contre, beaucoup de personnes ont. Donc, les gens se rapprochent de vous pour utiliser votre énergie. Et après ça, on va dire qu'ils se débarrassent de vous. Vous faites un contrat avec les gens, vous décrochez le contrat, vous rendez le service, ils prennent l'argent, ils ne donnent pas pour vous. Je vois un peu ça. Et là, ça vous épuise en fait. Ça vous épuise. Je dois travailler sur vous. Vous pouvez faire un sacrifice de coq qu'on va faire bientôt, là, dans 2-3 jours. Je demande aussi un lavage et une offrande à l'eau. Oui. Et vous mettez sur le monsieur si en VIP. Donc tous les mois, je dois travailler sur vous. On doit refaire. Je crois qu'il y a des gens dehors qui vous doivent. On doit rappeler cet argent. Et il y a aussi des personnes, des contrats que vous êtes censé avoir, des procédures, les procès que vous êtes censé gagner. Là, on va dire que la faveur sera en votre avantage. Il vous faut aussi le retour à l'envoyeur. Vous avez besoin de faire un retour à l'envoyeur et la protection. Ici, à Abidjan, prenez le kit des blocages pour commencer. Et vous devez avoir un bâton de commandement en lion. Je serai là-bas. Je dois passer là-bas pour faire un document. Dans pas longtemps. Donc dites à la personne. Je passerai là-bas peut-être quoi, mercredi de la semaine prochaine. Allô? Oui, rapidement, pardon, je suis en direct, j'écoute. D'accord, tout à l'heure. Oui, le kit sirène, c'est sur commande. Donc, si vous demandez ça là, je crois que j'avais dit 200 euros. Hein. Mm-hmm. Je crois qu'il y a vraiment grâce qui le veut, sérieusement. Je vois que tu as demandé en inbox. Le devis des portes et des fenêtres, c'est pas moi qui les paye. Hein. J'ai bien dit les finitions, je les fais, mais pas les portes et fenêtres. De voir qui je n'ai pas lu. Hmm.
quand les produits sont prêts d'ici, vous dites à l'autre d'attendre. Vous allez dire à Eric de venir. Ils vont travailler ensemble. Elle n'est pas encore rentrée. Vous pensez que si vous trois, vous êtes dessus. Elle a trouvé les bassines là. Elle a trouvé 5. Elle voulait rentrer, je vais demander si ça y est, c'est pas le même sel. Ça doit être la même contenance. D'accord. Sinon, on attend que les 5 vont donner le passé de rien. Ok. Et donc, je l'ai attaché à ailleurs d'abord, le maximum qu'elle peut avoir. D'accord. Bon, on peut dire que tu. Elle peut appeler Sylvie qui peut savoir s'il a pris en charge le truc là. Si c'est déjà en route, on sait qu'on a une heure pour que ce soit là. Bon, vous pourrez voir sur l'application. Donc. Trésor, je vais te bloquer. Je ne te parle de la spiritualité. J'ai enseigné sur le leadership ici tout à l'heure. Tu n'as pas suivi mon enseignement, n'est-ce pas? Les gens spirituels, il n'y a pas que la spiritualité dans la vie. Parce que quand vous commencez à avoir la spiritualité, tout pour vous, c'est vraiment spirituel. Vous voulez être pauvre et spirituel. J'allais dire laid et spirituel, mais bon. Ils sont l'autre là. À part la spiritualité, j'ai parlé de leadership aujourd'hui. Comment être droit dans ce que tu fais? Souvent, il parle d'entrepreneuriat ici. Tu es spirituel, mais tu as tes entreprises. Donc, on voulait seulement que spiritualité là. C'est pas tous les jours qu'elle met ici pour parler à la spiritualité. Bon, je vais partir.